Le tribunal criminel, veuillez vous lever, s'il vous plaît. L'audience du tribunal criminel est ouverte, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. CC Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahima Kamara dit Kalonzo, M. Aboubakar Diakité dit Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Alpha Amadou Baldé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les victimes sont M. Ouri Bailoba, Mme Aïssatou Barry et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis des événements du 28 septembre 2009. Monsieur Moussa Kegoro Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. Veuillez vous décoiffer.
La défense a la parole pour les questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je ne vais pas être trop long. Alors, je vais aller très rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des victimes dans la salle? Des témoins, du moins, excusez-moi. Des témoins. Continuez, maître. Monsieur Colonel Tchigour Kamara, et juste des questions de précision. Au stade du 28 septembre, précisément au niveau de l'esplanade, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade? Merci. Juste combien de temps? Merci. Je l'ai précisé hier que je n'ai pas duré au niveau de l'esplanade du stade le 28 septembre. Je suis venu juste sensibiliser les gens, comme je l'ai tantôt dit, et c'était dans les environs de 9h, entre 9h et 10h, je n'ai pas la précision sur le temps exact. Et quand je me suis adressé aux gens, certainement c'est sur les vidéos, sur YouTube. Et puisqu'il y avait le toyoubouy derrière, on ne comprenait pas derrière ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant quand même, qui m'ont applaudi. Et entre-temps, si je suis resté dans ce temps, tout à ce moment-là, on m'a dit que les leaders étaient de l'autre côté. Donc le temps exact, je ne vais pas le dire, mais à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, si vous regardez un peu la vidéo, vingtaine de minutes. En tout cas, je n'ai pas la précision sur le temps. Bien. Alors, juste au niveau de la rentrée, vous avez vu parmi les leaders qui en première position? La rentrée par rapport à quoi? Est-ce que la rentrée de Gama à l'autre côté ou quand il y a Haïti déjà? Oui, à partir de l'esplanade, vous êtes rencontré. Parce que vous avez dit ici que dès que vous êtes rentré, vous avez croisé un leader. C'était qui? Oui, ça c'était quand je suis revenu, après, quand les tirs ont commencé, quand je suis revenu, le premier leader que j'ai rencontré, lui-même il a toujours dit, c'était le président Sérou Alain Diallo. Bien. Il était seul ou bien il était accompagné par d'autres leaders? Sur le champ, quand je l'ai rencontré, il y avait des gens qui couraient, qui nous dépassaient. À part ceci-là, lui venait seul. Donc cela veut dire que, et après là-bas, vous les avez accompagnés directement au niveau de clinique Ambroise Paré? Non, comme je l'ai expliqué, c'est quand lui et moi on venait, on a vu Jean-Marie Doré qui était déjà principalement assommé et il pleurait à mon nom. C'est lui-même qui m'a dit, voilà encore, je suis parti par là-bas. Et pendant ce temps, lui et moi, on était déjà dans le truc, je suis parti le prendre. Avant que je me retourne, comme je l'ai dit dans ma déposition, il était déjà aussi à terre. C'est en ce moment que ce monsieur-là, quand il a donné un coup de pied, il est parti. Et après, il s'est retourné pendant que je prenais d'Alain. Il a dit, toujours dit, il m'a donné le coup de bâton ici, le bâton qu'il faisait pour assommer dans la laine. C'est sur ce bâton-là, il s'est servi pour me donner aussi le coup. Et malgré tout, heureusement que je n'ai pas lâché, et les gens sont venus au secours, et on a parti comme Baoulé le dit. Voilà, et vous allez préciser cette partie. Le parquet a tellement insisté sur là-dessus, même les avocats de la partie civile. Tantôt, on dit que c'est vous qui êtes venu
sécuriser les leaders jusqu'au niveau de Ambroise Paré. Tantôt, on dit que c'est Abakar Sidik Diakité Ditumba. Vous pouvez nous donner la précision. Vous avez envoyé qui au niveau de Ambroise Paré? C'est moi-même qui étais dans la voiture pour envoyer les leaders Ambroise Paré. Je suis certain que les leaders eux-mêmes sont encore vivants. Ils seront vraiment même capables de venir donner encore la précision ici, si la Cour en a besoin. Mais je sais déjà que leur déclaration se trouve sur cassette et même sur les réseaux sociaux. Ok, je continue. Ils ont posé la question encore. Est-ce que au moment où vous avez conduit le leader au niveau de Ambroise Paré, en même temps vous pouvez être à l'esplanade ou au stade pour tirer sur les manifestants? Parce que ça a été posé, cette question a été posée. Est-ce que vous pouvez être en même temps les deux? Bon, je pense que ceux qui l'ont dit vont apporter les preuves si on peut être à la fois au nord et au sud. Donc, il me dit que moi j'étais avec les leaders, eux-mêmes l'ont dit. Jean-Michel Babouri, même en tant qu'intellectuel, en tant que personne d'État, et homme d'État, je veux dire, il a toujours dit le cheminement, même l'itinéraire qu'on a emprunté, je pense que lui, il était cerné. Il a tout expliqué. Comment on peut être en même temps chauffeur de ces gens-là, les envoyer dans un lieu sûr, et au même moment être encore complice ou l'auteur d'une autre infraction quelque part dans la ville? Ce qui est difficile, c'est tout ça. C'est ça, c'est l'image de notre pays. Mais l'essentiel, nous sommes devant le tribunal. Je pense que le tribunal sera en mesure de clarifier tout ça pour que la vérité soit vraiment dite plutôt et au vu et sur de tout le monde. Bien. Je vais revenir un peu en arrière pour ce qui concerne le 27 septembre, le 28 septembre et le 29 septembre. On va commencer par le 27 septembre. Est-ce que vous avez été appelé une seule fois pour vous annoncer la réunion qui a eu lieu? D'accord. 27, je ne sais pas, 26, 27, je pense qu'ils ont voyagé sur l'abbé. Et même ce voyage, là, si vous remarquez, je ne suis pas sur les images parce que je n'étais pas informé pour le voyage. Et j'étais même non plus, j'étais pas impliqué par rapport au voyage. Et encore, par rapport à cette réunion que les gens, tout le monde en parle, s'il y a eu réunion, je dis toujours, s'il y a eu réunion, je n'étais pas informé et je n'ai pas y participé. Ni vos éléments? Ah non, les réunions de ce genre, c'est le sommet, c'est pas des éléments, j'espère. Bien. Également, sur votre effectivité, c'est-à-dire le nombre des éléments que vous avez au niveau de services spéciaux. Je l'ai dit, c'est des éléments qui étaient détachés de la police et de la gendarmerie. Donc, ils sont capables de nous donner l'effectif, mais moi je dis que c'est 200 personnes. Et vous voyez, 200 personnes, y compris l'administration et tout, nous étions dans les fourchettes de 200 personnes. Donc ce sont des détachés. On sait déjà qu'un service créé pour une mission spécifique, à l'époque là, c'était vraiment pas prendre 1000 personnes ou 2000 personnes pour un travail de ce genre, qui était un travail technique opérationnellement. Bien. Et par rapport à vos éléments, les patrouilles, c'est chaque jour ou bien seulement le 28 septembre 2009 que vos éléments sont partis au stade? Cela est sûr, oui, cela est connu de tout le monde. Vous savez que tout le jour que Dieu fait, comme je l'ai dit tantôt, la patrouille était déjà planifiée de façon à ce que, et le matin et la nuit, qu'il y a des équipes qui tournent. Les équipes qui tournent, et c'était comme ça. C'est quand je parle de patrouille d'une et nocturne. Et ça, c'était connu de tout le monde. Et là, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Bien. Et par rapport à la planification, est-ce que vous pouvez préciser, vous pouvez dire ça devant le tribunal, que la répartition là n'émanant pas de vous? Non, la planification d'éléments de patrouille ne peut pas émaner, ne pas être faite par un chef. Tu donnes seulement l'ordre,
Je voulais que la patrouille nocturne sorte et la patrouille du nous sorte. Pendant que les autres se reposent, un autre groupe est sur pied. Si vous voyez souvent que les gens pensaient qu'on était même 300, 400, c'est parce que à tous les nouveaux, on était là pour tourner la forêt de Kakimo partout, partout. Donc, je pense que la découverte de la forêt de Kakimo a été faite par nous, prenant souvent ce jour-là des bandits ou les présumés bandits, des armes de guerre. Donc, c'est que c'était une patrouille nocturne et d'huile et c'était une planification simplement, sinon on n'était pas nombreux. Voilà. Bien. Au stade, est-ce que ce jour-là, les éléments, vos éléments étaient armés? Je pense qu'ils l'ont dit dans leur déposition, oui. Ceux qui étaient de patrouille, ils sont arrivés effectivement au stade parce qu'ils suivent les gens progressivement. Donc, j'ai dit, pourquoi ce dispositif? C'est pour éviter que les magasins soient pillés, que les gens s'attaquent aux biens d'autrui. Et les marcheurs, parce que les marchés passifs, souvent, vous savez, comme moi, ça se termine chaque fois par des problèmes entre policiers, gendarmes et manifestants. Vous le savez. Et malheureusement, c'est les citoyens lambda qui payent les frais. Bien. Je vais poser une question parce que la partie civile pensait que c'est vous qui avez donné... S'il vous plaît, mettez les téléphones sur le mode silencieux. C'est vous qui avez ordonné l'ouverture de la porte du stade. Est-ce que vous pouvez préciser ça pour devant le tribunal? Parce que là, vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur du stade. Et comment se fait-il que vous pouvez ordonner l'ouverture? Dès lors que vous êtes venu, vous avez trouvé que même les gens se trouvaient au niveau du stade. Donnez cette précision-là devant le tribunal. Comme je l'ai dit tantôt hier, les leaders et moi, on s'est séparés juste après la porte, c'est-à-dire la porte d'entrée officielle de Le Gamal. Et à ce nouveau, ils sont venus vers leurs militants, dans le but de les annoncer qu'un consensus est trouvé, ils vont reporter. C'était l'objectif. Et comment ils ont fait pour ouvrir le stade ou pas, c'était pas ma présence et je ne sais pas qui a ouvert réellement. Hein. Bon, moi j'ai été surpris hier, hein, du fait que cette question-là a été posée, alors que vous n'étiez même pas. Je l'étais plus que toi. Ah, ok. Alors, lorsqu'il y a manifestation, ils sont devant la police et la gendarmerie ou bien c'est derrière? Bon, lorsqu'il y a manifestation... N'importe quelle manifestation, hein? Non, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il marche, moi je vous dis, notre rôle, le rôle de ces hommes-là, c'était pour rester derrière, encadré. On l'a toujours fait, même si c'est une marche pacifique. Prenons un exemple sur l'arrivée de Moutaba. Le président Moutaba, Mouta Diallo, quand il est arrivé une fois, il y avait un engouement et tout, et mes hommes étaient là-bas. Moi-même, je suis venu, je marchais, j'étais sur le pied de la voiture de Moutaba, on a marché de l'aéroport jusqu'à encadrer jusqu'au niveau de Amdalaï, j'étais à pied. Moutaba, je sais qu'il est quelque part au bout du monde, il me voit. Donc, c'est comme toujours, nous on est là pour veiller si les bandits ne vont pas profiter de ces marches-là ou de ces manifestations-là pour s'attaquer au bien d'autrui. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours derrière. Et la police en Amérique, étant dotée de matériel adéquat pour le maintien d'ordre, vont toujours rester devant. Parce que l'objectif est qu'il faut dire aux manifestants de ne pas venir à telle zone. Vous savez comment ça se passe entre policiers et gendarmes. Ça, c'est de façon classique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Ça veut dire que simplement que notre mission, c'est de se derrière et encadrer les gens. C'est pourquoi la question qui a touché Souris hier, ça m'a irrité, mais je ne pouvais pas extérioriser ce que j'ai ressenti par rapport à sa déclaration, parce que le président me l'a interdit. Monsieur Camara, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question qui vous a été posée. Répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de trop de commentaires. Alors,
Est-ce que M. Abakar Sidik Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidik Diakité et dit Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas du tout, j'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant. Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres? Pas du tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà. Juste le 28 septembre, j'ai dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible, pas possible. Et si ils pouvaient le faire, parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pourraient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feuza Marie Doré. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyé à côté de l'Élysée d'Alain Diallo, parce que là-bas, on vous a menacé. Que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Tout compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, il n'y a pas... Il n'a pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux russes qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Kosa Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers, gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous, c'était leur arrivée. Je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade, alors que les policiers et gendarmes étaient à côté. Les gens étaient bien installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce toi-boy qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde. Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bérurouses. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier, tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade? Non, mais ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein?
Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, c'est le coup, il y a encore été plus chaud qu'ici. Oui, je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré en rafale tandis que vous ne tirez pas l'arme. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision. Alors, je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidi Touré. Le groupe que vous avez transporté pour Ambroise Paré, est-ce que Sidi Touré faisait partir? C'est une question? Oui, c'est une question, oui. Je disais non. J'ai dit que j'ai perdu ces gens-là. Et de vue, quand quelqu'un veut me dire, nous sommes avec les CDAT, ils sont blessés, envoyez-les à l'hôpital. C'était dans ce pays-là, et franchement, je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé, qui m'a dit, mon commandant, les CDAT aussi sont là, il dit, mettez-les dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et puis, moi, j'étais déjà, j'avais même débarqué mon chauffeur, j'ai pris la voiture moi-même, parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture, et j'ai pris moi-même le volant et continué à Ambroise Paré. Bien. Je vais poser une question encore. Qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre? Je l'ai dit. Et comme hier, Général Badé est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion. Donc, il est mieux placé pour nous dire ici qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre. Comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence, ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi. Donc, je ne sais pas. Bien. Le parquet vous a posé une question. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être l'esplanade du peuple ce jour-là, le 28 septembre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Le cœur qui m'a motivé, c'est ce cœur qui m'a amené ici. Motivation sociale et le rôle du soldat. Et je l'ai dit tantôt que, quelle que soit l'issue de ce procès, je ne regrette pas d'avoir joué un rôle, d'avoir sauvé les gens. Parce que la vie est faite ainsi. Donc, l'issue n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle. Donc, c'est un rôle de soldat que j'ai joué. Et ça, cette motivation, même aujourd'hui, ça dit, vu que je suis avec la cour, sinon je peux m'y rendre. Mais aujourd'hui, regardez comment on vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là. Qu'en dites-vous? Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Bon, je me dis que c'est l'histoire d'un pays. Ça arrive. Et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai, mais un sentiment de réconfort, enfin. Parce que après 13 ans, jour pour jour, vous savez, j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année. C'est le jour le plus marquant pour moi, à chaque fois que le 26 et 27 arrive, ou après même les jours suivants du 28 septembre, chaque année, je sautais râlement. Et ce qui fait que le 28 septembre, là, si vous remarquez, depuis 13 ans, j'ai été une seule fois à un match de football. Parce que Antonio Soare nous a envoyé des cartes pour aller suivre, parce qu'en tant que président de l'ASFAC, la Fédération Guinéenne de Football. Donc, j'ai été la seule fois. Et depuis lors, jamais aucune image ne prouvera à personne ici que Kounay Tchegro a été à ce stade-là. Et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste, parce que c'est un mot qui me dérangeait. À chaque fois que je réfléchissais, quand la date arrive, je me dis, mais voilà ma récompense. Et je me dis quelque part, à quand ce procès pourra avoir lieu? Ou ici ou ailleurs?
essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure. Parce que c'est une question d'honneur et de dignité. Ne serait-ce que pour mes enfants, ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire. Donc, et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dit ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure, qui se rende compte qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui a fait quoi avant de prendre les actes qui est de son devoir, je suis certain qu'aujourd'hui, j'ai un réconfort moral qui me dit enfin, le jour est arrivé. Bien, on va revenir au niveau de Ambroise Paré. Est-ce que au niveau de Ambroise Paré, vous avez pu identifier Abakar Sidiq Diakité? Pas à l'esplanade du peuple. Ah oui, clairement et nettement, maître. Voilà, tranquillement. Ouais. Je dis, au niveau de Ambroise Paré, est-ce que vous avez pu identifier Abakar Sidiq Diakité? J'ai dit oui, clairement et nettement. Il était seul ou bien il était accompagné de son troupe? Non, il marche toujours avec sa troupe là. Donc c'était avec ses pick-up là et tout. Mais ceux qui ont débarqué le premier, qui sont venus vers nous, quand ils ont donné leur grenade à main, il dit que de remettre, si on traite les gens, ils vont nous faire exploser, et de remettre le bonhomme de M. Dalin dans la voiture, c'est moi qui ai ordonné de remettre rapidement. Si on était juste avec les brancardiers. C'est bon, hein, c'est le... bon, la question est répondue. Non, c'est important, M. le maire. Allez, M. le président. Voilà. Bon colonel. Quand vous êtes venu pour la première fois, comme nous avons tous aperçu au voir les images, les gens vous acclamaient, les gens applaudissaient. C'était pourquoi? Moi, quand j'étais de passage effectivement vers chez moi, et comme je vous dis dans les fouchettes de 9h-10h, c'est que j'ai vu cette foule-là, c'est eux qui m'applaudissaient, et j'étais juste pour venir donner des conseils. Nous allons les prouver les conseils tout, et pour que vraiment ils replient. Mais j'ai vu que ceux qui étaient devant étaient tellement responsables, ceux qui me servaient là, qui me faisaient comme ça, et qui me disaient tu es le seul. Alors ceux-là ne pouvaient pas me comprendre. Jusqu'à ce que quelqu'un a lancé, comme je l'ai dit, un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière. Et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée. Et faire en sorte que les gens ne se replient pour respecter, s'il faut dire, cette journée qui est une journée mémorable pour tous. Donc c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison? Non. À partir de là, on m'a informé que le leader était de l'autre côté. Et puisque ma voix ne portait pas trop, j'étais obligé de laisser ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits, sans l'instruction de leur leader. Je suis parti vers les leaders pour prodiguer les mêmes conseils. Je pense qu'avec eux, on s'est compris, car c'est des hommes d'État. Alors, pour terminer, vous confirmez que, en tout cas, les éléments du service spécial, personne n'a tiré sur un manifestant quelconque. Je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque. Mais comme les éléments de service spécial ne sont pas dotés d'armes, oui, s'ils ont tiré, ça, je c'est pense une, que celui qui conduisait... C'est une question de précision. Hein. Je c'est précise. Je dis que je poserai des questions sur des questions bien précises. Oui. Et puis voilà. Donc, vous confirmez qu'ils n'ont jamais tiré sur... Et manifestant quelconque. Je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer. Pourquoi? Okay. Je dis bien. Moi, je n'ai pas tiré sur un manifestant. Et mieux que ça, la patrouille d'une elle n'a pas doté d'armes. Et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour, devant le pôle de juge d'instruction. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas tiré sur quelqu'un.
D'accord. Ça sera ma dernière question pour passer le micro à mon confrère. Bon, après ce procès, et pour le reste de votre carrière, est-ce que, désormais, vous allez opter toujours à assister les personnes à danger? Une question? Oui. Oui, mais je vous ai dit tantôt, depuis le début de ce procès, que je n'ai jamais eu un cas de conscience dans la vie. Aucun Guinéen ne peut prouver le contraire. Et ce qui assez concerne votre question, je pense que jusqu'à ce que je suis dans cette tenue, je vais toujours opter pour assister les personnes en danger. Parce que j'ai revêtu la tenue pour ça. Peu importe que ce soit reconnu ou pas, l'essentiel, c'est de jouer ma partition, mon rôle de soldat. Et moi, j'ai même dit qu'après ce procès, je vais me dire revoir l'armée, créer une ONG humanitaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables et respectueux membres du tribunal, et mon colonel, oui, maître. Vous êtes à cette barre parce qu'on vous accuse de meurtre, d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, d'enlèvement, séquestration, détention, de torture, de complicité de coups, blessures et violences volontaires, de complicité de vol à main armée, d'entrave à l'arrivée des secours et enfin de non-assistance à personne en danger. Vous avez écouté clairement les différentes questions posées par le tribunal, les avocats de la partie civile, le parquet. C'est des questions, à part celles posées par le tribunal, qui n'ont pas trait à ces infractions pour l'essentiel. Or, vous êtes là parce qu'on vous accuse de ces infractions. Vous avez quel sentiment aujourd'hui, après 13 ans, depuis pratiquement 2010, à l'ouverture de l'information, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui devant ce tribunal? Merci, maître. Et c'est difficile à dire. Et quand vous regardez un peu le déroulé de ces multiples infractions contre ma personne, je peux dire en un mot que je me remets à Dieu. Ça n'arrive qu'au vivant. Quand quelqu'un pense que, quand je parle d'autres voix, imaginez que c'est un éloge. Non. Mais en réalité, cela ne me ressemble pas. En réalité, ces infractions portées aujourd'hui sur ma personne me font honte. C'est une honte personnelle d'abord. Mon colonel. Suivez-moi, je vais finir, s'il vous plaît. Je suis choqué. C'est suffisant, c'est suffisant. Et je voulais simplement. Écoutez, n'êtes-vous pas angoissé devant ce tribunal? Je suis profondément angoissé. Et j'attendais ce moment ultime. Parce qu'en 2017, c'est vous qui m'avez envoyé l'ordonnance de renvoi lorsque ils se sont prononcés là-dessus. Ma première réaction... C'est bon, hein, c'est répondu. Hein. Et je voulais préciser que vous m'avez confié, et c'est l'occasion de le dire, que vous avez confiance en ce tribunal, en cette composition. Depuis que vous avez été interrogé pour la première fois, vous m'avez confié que vous avez confiance en ce tribunal et que de ses travaux,
résulteront des décisions qui seront exemplaires. En tant que gendarme, que pensez-vous de la protection de la vie humaine? La vie humaine qui constitue le but suprême du droit en tant que gendarme. Merci, merci. Merci, maître. Par rapport à la confiance, cela n'est pas à discuter. Si dans ce pays, ce n'est qu'un noyau d'hommes comme ça qu'on a trouvé, c'est parce que vraiment ça a été bien tamisé. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir confiance à ce tribunal. Et je crois que le droit sera dit ici pour qu'enfin chacun soit situé sur son sort. Alors, par rapport à la vie humaine, moi je pense qu'aucun droit du monde ne prévoit qu'une personne peut ôter la vie à autrui. La vie en elle-même est un droit universel, est un droit même naturel. Ça veut dire que moi, quand je suis dans ces dossiers comme ça, je suis peiné, mais on est tenu obligé de rester derrière la justice. Elle est là pour nous départager. Et on a souvent parlé de 200 hommes sous votre autorité. Je veux avoir des éclaircissements. Quand on dit que qu'il y avait 200 hommes, parce qu'on peut croire que ce jour-là, le 28 septembre 2009, vous étiez avec ces 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mais ce qui est paradoxal. D'abord, j'ai dit comment je suis venu, comment j'étais. Et j'ai expliqué que la patrouille était nocturne et nuit. Ceux qui sortent le matin ne peuvent pas sortir le soir. Et les 200 personnes, ça, c'est y compris toute l'administration, y compris tout le monde. C'était un service créé pour les circonstances données. On ne pouvait pas envoyer 200, 300 personnes là-bas comme opérationnel. Ce n'est pas possible. Donc, je vous dis que ce jour-là, j'étais avec mon garde comme mon chauffeur. Et surtout, je précise qu'il y avait des patrouilles. Donc, pratiquement, même 20 ou 30 personnes ne peuvent pas sortir par jour. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des gens qui travaillent, il faut la corvée et tout. Il faut le piquet. Il y a tout ça là dans la composition. D'un service opérationnel, il y a tout ça qui compose. On ne peut pas rentrer dans tout ça. Et moins tout ça, l'effectif qui reste, comme ça peut être 200 personnes, ou même 20 ou 30 personnes au stade. C'est bon. Pour la patrouille. Et au stade, ce jour-là, vos agents, les agents de votre service qui étaient là, étaient sous le contrôle de qui? J'ai dit qu'il y avait la patrouille, et la patrouille était composée, c'est-à-dire c'est essentiellement le colonel Farima qui planifiait la patrouille. Donc, il sait pertinemment c'était sous le contrôle de qui. Et je pense qu'il en a déjà dit devant le pool de juges d'instruction. Conformément au nombre d'interventions, vous parlez de patrouilles diurnes et nocturnes. Et conformément aux normes, je veux parler des normes d'interventions dans ce cadre-là. Est-ce que vos agents portent des armes? Oui et non. Non si c'est la patrouille journalière et oui si c'est la patrouille nocturne. Et qu'est-ce qui justifie, parce que la question est revenue plusieurs fois, qu'est-ce qui justifie, quelle est l'opportunité de l'intervention de vos agents lorsqu'il y a des manifestations? L'opportunité se situe ici lorsque la manifestation passe derrière eux. Et ils viennent derrière, comme j'ai dit. C'est-à-dire que c'est le terrain déjà conquis par la manifestation et ils sont là-bas pour ne pas que les petits bandits s'attaquent au bien d'autrui. Ça a été toujours le cas dans ce pays. Donc je pense qu'en ce moment-là, d'autres Guinéens peuvent dire grâce à vous, on a été sauvés tel jour. Donc puisque nous sommes là-bas, je sais que c'est précisément leur rôle, ça. Rester derrière, mais partout où ils passent, et ils viennent derrière pour surveiller si quelques éléments ne vont pas s'attaquer au bien d'autrui. Pour les empêcher. Est-ce que donner des ordres, que ce soit à votre niveau ou au niveau de Farimba, donner des ordres aux agents, est-ce que cela pose problème? Donner des ordres dans le bon sens, par exemple. C'est ça. Ça dépend des ordres. Parce que même l'armée a modifié un peu le règlement militaire en fonction de ça.
quand on disait dans le temps que celui qui donne l'ordre en est responsable. Non, ça c'est fini, c'est modifié. Si on donne l'ordre, si l'ordre n'est pas normal et que tu l'exécutes, tu en es responsable devant la loi et devant la juridiction militaire. Donc ça veut dire donner des ordres dans le sens positif n'est pas vraiment quelque chose de mal en soi. Et aviez-vous rencontré le président Moussa Dadis Camara le 27 au soir? Pas du tout, pas du tout. D'abord, il était venu fatigué, je pense, de son voyage. Et je pense que ce jour-là, je ne suis pas rentré. Comme je vous ai dit, j'ai été déjà évincé du camp. J'étais de l'autre côté. Donc, je ne suis pas rentré ce jour-là au camp. Vous dites que vous étiez un peu éloigné de ces bureaux. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal cette configuration? Parce qu'il y a une confusion à ce niveau jusqu'à présent. Quand vous avez dit hier que vous avez passé la nuit dans votre bureau, il y en a qui ont cru que vos bureaux sont contigus au bureau du président. Expliquez s'il vous plaît cette phase-là. Non, mes bureaux n'étaient pas contigus au bureau du président. Vous savez, le feu général Alassane Conté a construit des immeubles à l'intérieur du camp. Et ces immeubles-là sont compartimentés, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a deux qui sont derrière, vers l'Imaya, dans le même camp, hein, camp de Fayaya, qui est un grand camp, vous le savez, c'est le plus grand camp du pays, parce que je peux dire. Donc, deux bâtiments de l'autre côté, mais tous les autres bâtiments là, de B1 à B13, B12, sont tous l'autre côté où se trouvait la présidence. Donc, et moi j'étais au départ à l'autre côté, donc après mon accrochage avec Touma, ils m'ont fait sortir, le général Sekouba m'a fait sortir dehors. J'étais maintenant dans un bâtiment isolé vers Yimaya maintenant là au main, juste à la porte du camp, à 5 mètres ou 2 mètres de la porte du camp. Quelle est la distance qui séparait vos bureaux de ceux du président? Non, à peu près, la distance. Ouais, à peu près, on peut dire, estimé à 200, 300 mètres, hein, on peut dire comme ça. Mais il y a un mur séparatif qui sépare les deux entités. L'autre côté, le camp là, on appelait ça le régiment. Et nous, on était déjà vers Yimaya depuis le début de l'affaire. Maintenez-vous que les échanges entre M. Sidi Atouré et le président Moussa Dadis Camara ne se sont pas déroulés en votre présence? Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens bien et je regrette fortement que ce soit dans ma déposition et que je n'ai pas prêté attention quand la dame faisait la lecture. Certaines personnes se posent toujours la question de savoir ce que vous étiez venu faire au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Qu'en dites-vous? Bon, je trouve que les gens ne me posaient pas la question de savoir sur d'autres scènes de crimes ou de conflits, et pourquoi j'ai été brûlé de ceci, cela. Et puisque aujourd'hui, on a tourné au vinaigre, aujourd'hui, on me pose la question pourquoi tu es venu. Quand tu poses la même question au président Selou Dalin, président Mouktar ou Baouri, ou Jean-Marie Doulessi vivait encore, il aurait dit non, c'était nécessaire qu'il soit là. Le fait que j'ai entendu le coup de fusil, je suis venu, c'était un devoir militaire. Ça, c'est un devoir de soldat. Ceux qui ont entendu qu'ils ne sont pas venus, croient aujourd'hui qu'ils sont sauvés. Mais ils ont un cas de conscience. Parce que s'ils avaient agi comme moi, on aurait sauvé davantage de personnes. Portiez-vous une arme ce jour, ceinturon, arme, peu importe? D'abord, généralement, comme vous le savez, je porte les tenues évasées. Donc, pas de ceinturon. Et généralement, je suis habillé comme ça. J'ai les tenues comme ça, et américains, français, façon française, qui sont évasées comme ça, et je ne porte pas de PA et sans ceinturon. Est-ce que vous portiez une arme ce jour? Pas de tout, monsieur le président. À quelle heure précise êtes-vous arrivé à Dixine? Vous avez dit du côté de la pharmacie humanisée, voilà, jusqu'au vers l'esplanade du stade. À quelle heure précise? J'ai dit que c'est dans les fourchettes de 9h-10h, entre 9h et 10h. Je ne sais pas maintenant quelle heure exacte, parce que franchement, il ne faut pas inventer les choses. Quelle était l'atmosphère à cet endroit? L'atmosphère était calme. Les policiers et les gendarmes se regardaient à distance. Les agents de maintien d'ordre et manifestants se regardaient à distance. Et moi, je suis venu dans ce vide-là parce que les yeux étaient sur l'esplanade
Et les manifestants étaient juste en face de Manizé. Si vous regardez un peu les vidéos, et je suis venu, j'ai regardé ma voiture, je ne me suis même pas adressé aux gens-là. En réalité, demandez-les, il n'y a aucune vidéo ne peut le prouver, je suis parti directement vers les manifestants. Et si vous voyez, je suis seul au milieu de cette foule qui est en train d'applaudir. Pouviez-vous, dans ces circonstances-là, en ce moment précis, tirer sur un manifestant? À moins qu'on soit fou, sinon quelqu'un qui applaudit pour toi, qui est en train de conventionner, il n'y a pas de possibilité de tirer. Et mieux, je n'étais pas armé. Et même si j'étais armé, c'est impossible, c'est impensable. Est-ce que vous auriez pu tirer sur une personne, sur un manifestant dans cette foule et que vous ne soyez pas lynché? C'est pas possible. Je ne peux pas tirer sur les manifestants, sur un manifestant, dans une foule comme ça, enthousiasmé, et que les gens continuent à applaudir pour toi. Moi, je ne sais pas comment le chemin là peut être établi. Et on parle de l'ouverture du stade. Étiez-vous, à l'époque des faits, directeur du stade du 28 septembre? Pas du tout. Je rappelle que il y a une note de service au dossier, la note de service numéro 043, portant fermeture du stade du 28 septembre. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit répondre à cette question de l'ouverture du stade, c'est bien le directeur du stade, Ibrahima Sori Keta, dit Petit Sori. Affirmatif. Oui. Et l'expression « faux problème », on est revenu là-dessus hier, « faux problème », signifie-t-elle violence, viol, meurtre, assassinat ou toute autre infraction? Faux problème. Vous savez, c'est difficile de gérer nos jargons militaires dans des circonstances comme ça. Alors, sinon, faux problème pour moi, même ceux qui étaient déjà interpellés là, ils se sont créés des faux problèmes. Toi, tu es couché chez toi, quelqu'un te dit « sors, tu vas marcher ». Tu sors, tu marches en son nom. Il n'a aucune, c'est-à-dire, il n'a aucune autre emprise sur toi. Il a dit seulement sortir de ma magie. Pour quel motif, je ne sais pas. Pour quel intérêt, je ne sais pas. Alors, pour moi, c'est un faux problème. Parce qu'on vient t'interpeller dans ça, ne serait-ce même que de prendre les gaz là, c'est déjà des problèmes. Et on vient t'interpeller dans ça, on te met dans un pick-up, et généralement, on t'envoie. Ou généralement, tu es là, tu es privé de ta liberté pendant que tu es assis. En ce moment-là, lorsque vous avez dit faux problème, ouais, est-ce que vous avez pensé au meurtre? Pas du tout. C'est ce que j'ai dit, la pensée qui m'est venue dans la tête, c'est ce que je vous dis comme ça. Pas du tout. Et je pense que c'est pas ça. Mon colonel, que répondez-vous à la polémique autour de votre propos, quand certains ont dénaturé votre propos au stade ou devant le stade? Certains disent que vous avez affirmé vous voulez accéder au stade. Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Attendez, j'ai pas fini. Nous ferons porter la responsabilité de ceux qui surviendraient. Vous allez être tué. Vous allez vous faire tuer. C'est terminé. Je vous avais dit de faire attention. Ça apparaît dans plusieurs procès-verbaux. Cette polémique-là, qu'en dites-vous? Mais c'est, maître, c'est vraiment grave. Je pense que ces mots ne sont pas de moi. Et mieux que ça, si cela était vrai, les gens qui étaient autour de moi, c'était pas maintenant les manifestants. On peut estimer que ça, c'est des petits garçons qu'on rencontre, qu'on ramasse dans le quartier. Mais j'étais en face des personnes ou des hommes d'État. Quand on parle de Sidia, quand on parle de président Baouri Otola et le président Selou, tu leur dis, vous allez vous faire tuer et après vous vous comprenez sur un consensus, ça c'est impossible. Et un de deux, je pense que les gens n'allaient même pas partir. Si moi j'avais les informations comme ça et j'avais des idées comme ça, j'avais prononcé comme ça, je n'allais pas permettre les gens de partir. Mais comment se fait-il que je prononce ces mots et que c'est même avec des gens qui ne sont pas des petits hommes, hein, et que ces gens-là et moi, qu'on trouve un consensus sur la base des missions à accomplir? Alors moi je tombe de nu. Mais dans ce pays, hein, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Vous ne voyez pas une contradiction, parce qu'au même moment, c'est en une seule phrase pratiquement que vous avez employé ce que vous avez dit, des conseils que vous avez prodigués, comme vous l'avez dit hier.
Est-ce que vous auriez pu employer toutes ces expressions-là au même moment? Parce que c'est dans beaucoup de procès-verbaux. Oui, mais ça, l'expression n'a pas un conseil, c'est une alerte. L'expression dont vous faites allusion n'a pas un conseil. Hein? Est fortuit comme ça. Quelqu'un peut le dire, un homme normal ne peut pas le dire comme ça aux gens. Et si je le disais, les gens n'allaient pas partir. Ça, au moins, c'est clair. Moi, mon problème, c'est quoi? J'ai juste dit que si j'avais dit cela, c'est impossible que ces gens, les personnes aussi, hautement intellectuelles, allaient se permettre d'y aller. Et ils n'allaient même pas me donner le temps d'aller à un consensus. C'est pas possible. Mon colonel, est-ce que vous auriez pu dire au même moment, vous allez vous faire tuer, vous allez endosser la responsabilité, et c'est terminé. Toutes ces expressions-là qui ont été employées dans les procès-verbaux, est-ce que au moment, en ce moment, au moment X, vous auriez pu employer toutes ces expressions-là à la fois? Pas du tout. C'est vos propos. Est-ce que c'est vos propos en ce moment-là étaient constitués de menaces? On s'est juste conseillé en grand frère et jeune frère. Je pense qu'il n'y avait aucun mot menaçant, selon moi. Est-ce que ces conseils signifient que, comme il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi, que vous aviez connaissance que des exactions allaient être commises au stade du 28 septembre? Est-ce que... ces conseils, vos conseils, les conseils que vous avez donnés, est-ce que ces conseils signifient que vous aviez connaissance d'une planification quelconque, d'un massacre quelconque au stade du 28 septembre ce jour? Pas du tout. Et si je le savais et s'il y avait une information déjà, moi-même je n'allais pas venir. Ça au moins c'est clair. Je ne suis pas aussi bête que ça. Est-ce que, parce que là aussi, il y a des difficultés, il y a des confusions, vous pouvez faire une présentation sommaire du stade du 28 septembre à partir de l'esplanade, le portail, la cour, parce qu'il y a une cour dans une cour, ce qu'on ne comprend pas, les gradins, la pelouse. Est-ce que vous pouvez procéder jusque là où vous êtes venu, quand vous êtes rentré, là où vous êtes venu récupérer certains leaders? Comme je l'ai dit tantôt, maître, effectivement, ce que vous avez dit, c'est la description, s'il faut dire, normale que vous venez de donner. Il y a d'abord l'esplanade, après un grand portail. Quand vous ouvrez ce grand portail-là, vous tombez dans un vide où il y a même des bâtiments de sport, il y a même les gens qui y logent. Donc ça, c'est la cour de stade. Tout ça, là, les gens appellent stade. Et après, vous avez une autre cour à l'intérieur où se trouve la pelouse, où se trouve même... le gradin, comme vous le dites, tout. Ça, c'est pas à ce niveau-là. Moi, j'ai croisé l'âge d'Alain juste à la porte là-bas, la porte de cette pelouse-là. Je venais en courant, c'est lui que j'ai croisé et je pense que quand il sera là, il va le confirmer. Vous étiez avec qui lorsque vous rentriez au stade? Parce que vous avez dit que vous êtes rentré en courant. Vous étiez avec qui? C'est seul mon garde corps qui me suivait. Lui me suivait en courant. Il a remarqué, même dans la foule. Vous maintenez que c'est M. Baouri, Elage Seloudalen Diallo et Feu Jean-Marie Doré que vous avez envoyé à la clinique Ambroise Paré. Effectivement, plus deux autres que je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils me voient maintenant pour qu'ils peuvent témoigner à distance. On vous accuse d'avoir entravé l'arrivée des secours au stade et refusé de porter assistance à des personnes en danger. Qu'en dites-vous? Je pense que, comme simultanément, on peut jouer ces deux rôles à la fois. Secourir et empêcher de secourir. Je pense que c'est deux choses diamétralement opposées. Secourir, en même temps empêcher de secourir. Vous avez demandé ceux-là qui étaient blessés, qui étaient dans ma voiture, qui étaient conscients, comme les Baouri, quand vous leur demandez, et ils vous diront que quand on a sorti, le seul arrêt que j'ai eu à faire, c'était avec les... J'ai vu que c'est que policiers qui venaient. Je leur ai dit que
Là-bas, c'est au stade, tout le monde était venu avec ses hommes, il y avait des problèmes. Et ceux-là sont blessés, je les envoie à l'hôpital. Et vous voyez. Et ils ont continué à pied, hein, ils étaient à pied. Et moi, j'ai bifurqué vers l'hôpital, la clinique Ambroise Paré. On vous accuse également d'avoir donné des instructions à certaines personnes, notamment à vos agents. Est-ce que, à un moment donné quelconque, un seul agent a été présenté et qui a reconnu avoir reçu de telles instructions de vous? Bon, je pense qu'après 13 ans d'enquête et qu'aucun agent n'a été identifié par rapport à ce passage, je me dis que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit ou quoi que ce soit ce jour-là et dans ce rôle que je jouais, quoi. Sauf que celui qui me dit, mon commandant, il y a les Sidiaques aussi qui sont blessés, il dit, mettez-vous dans la voiture, envoyez-les à l'hôpital. Et lorsque vous êtes revenu au stade, suite à l'appel radio, vous informant que des tirs retentissaient au stade, quelle était la situation générale en ce moment-là au stade? Moi, je vous dis, hein, je l'ai dit tantôt que quand je rentrais maintenant, on attendait les tirs par intermittence. Ce n'était pas maintenant un tir nourri ou un tir par coup de rafale, mais les tirs par intermittence. Donc, pratiquement, et ce n'était pas le chemin là, ce n'était pas dans le vide là. Ce n'était pas dans le vide là, je pense que c'était derrière là-bas vers la pelouse. Par intermittence. Ok. Est-ce que cela représentait pour vous-même, parce qu'il y avait des tirs, est-ce que cela représentait pour vous-même un danger? S'il vous plaît, au niveau de la mezzanine, il y a trop de bruit. Est-ce que cela représentait pour vous un danger, vous-même? Mais un danger potentiel, mais pas de réel. Quand on entend que ça tire, si ce n'est pas le cœur du soldat, c'est d'y aller, j'ai fait le front. Quand on dit aller faire une reconnaissance d'un point à un autre, alors que ça tire, c'est le cœur qui vibre d'abord. Mais puisque tu es appelé par un devoir, tu es obligé d'y aller, alors que d'accomplir ta mission. En dépit de ce danger, qu'avez-vous fait? En dépit de ce danger, il y avait un danger. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais j'ai minimisé. J'étais dans un dilemme. Mais j'étais obligé de minimiser le danger pour pouvoir au moins, une fois déjà sur le terrain, et que sachant déjà que tout le monde était informé que les gens y étaient, alors pouvoir au moins jouer un rôle. Et je pense que ce rôle, je l'ai joué. Donc vous avez pris un risque, hein, de sauver certaines personnes. Un grand risque, s'il faut dire. Est-ce que vous auriez pu tirer sur des manifestants au stade du 28 septembre devant les leaders politiques sans que ces leaders ne réagissent? Pas de tout, pas de tout. Et mon nom sera aujourd'hui sur toutes les lèvres. Vous dites que vous n'avez pas donné d'instruction à qui que ce soit. Et que dites-vous alors des enlèvements? Parce qu'on parle les jours qui ont on parle des jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Et que dites-vous des enlèvements, des détentions et séquestrations et traitements cruels, hein, dans les différents camps, notamment au camp Koundara et au camp Al-Fayya? Non, c'est que je dis que En listant ces différentes infractions à mon égard, ça me fait tomber dans un sentiment, pas de regret, mais je me dis quelque part que c'est très difficile de servir. Mais il faut servir. Sinon, c'est difficile à concevoir tout ça, parce que toutes ces infractions que vous venez d'énumérer, j'étais en charge de lutter contre ça. Et j'ai arrêté pas mal de personnes dans ces liens-là et le travail devant les tribunaux sur l'enlèvement, séquestration. Quand je prends la petite Bangoura et la petite Badé, où il a fait 2 jours de recherche et le retrouver vers son fournier là-bas, et tout le monde a vu ça à la radio, à la télévision à l'époque. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, les tueries de Kamsa, de Fria et autres là où on a arrêté les éléments, quand je Monsieur pense Camara, à tout ça aujourd'hui. Monsieur non, Camara, une fois ouverte. De plus, s'il vous plaît. Mais c'est une question ouverte, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Vous me suivez? Pas de commentaires qui n'ont pas trait à la question.
S'il vous plaît, répondez juste à la question. Colonel, mon colonel, aviez-vous connaissance ce jour-là de la commission des infractions que je viens d'énumérer au niveau de... Est-ce que vous avez eu connaissance de, ces, de la commission de ces infractions? Pas du tout, et puis c'est ce qui fait l'objet de démonstration, sinon c'est, je sais que je ne suis pas un homme de ce genre. Aviez-vous donné des instructions à l'effet de tirer sur des manifestants? Pas du tout. Que dites-vous de la fourniture d'instructions relativement à la commission des coups et blessures, telles que indiquées dans l'ordonnance de renvoi? Bon, c'est pourquoi j'avais demandé à ce qu'on me confonde à ces gens-là au moment de l'instruction, car cela ne vient pas de moi et je n'ai aucune connaissance. Pardon? Cela ne vient pas de moi et je n'en sais rien du tout. Mon colonel, une dernière question, peut-être, parce que vous avez compris que, en réalité, si les preuves ne viennent pas du parquet, c'est très difficile, voilà, de pouvoir évoluer normalement dans ces conditions. Et lorsqu'on parle de votre arrivée au stade du 28 septembre, vous avez dit que vous avez reconnu, vous avez vu Toumba, Monsieur Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que c'était effectivement lui? Exactement et avec toute la netteté. Il y a eu une discussion hier autour de l'interrogatoire de feu Mamadou Camara, le général de corps d'armée. Il a été indiqué que, dans un premier temps, comme il a indiqué dans son interrogatoire, lorsqu'ils sont arrivés au camp, là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tcheboro Camara et Aboubakar Diakité dit Toumba. C'était le matin, hein? C'est le matin. Et dans le même procès verbal, il est indiqué que vous étiez au camp Samori, au même moment, le matin. Qu'en dites-vous? Alors, c'est compliqué. Je me demande que, franchement, c'est grave. C'est comme si c'est un général, et malheureusement, il est mort. Parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui ici, ce général Toto, ça sera immoral. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui l'a dit, et aujourd'hui, il est en face de Dieu. Comment on peut être à la fois au camp de Faya et au même moment au camp Samori? Deux, le président Dadi, c'est là, il sait de son commandement jusqu'à ce qu'il a quitté, il ne m'a jamais reçu avec Toumba. Toumba et moi, c'était pas aussi quelque chose de facile. Hein. Donc, parce que moi, je suis procédurier et lui, c'est un commando, c'est pas facile. Donc, on n'a été jamais reçu pour quoi que ce soit par le capitaine Dadis, président d'alors, hein, avec Toumba. Moi et Toumba, non. Pas possible. Toumba et moi, jamais reçu ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Président. Défense toujours, s'il y a des questions. Ministère public, alors. Honorable assesseur, M. Camara, je voudrais revenir sur certaines questions
qui m'avait sauté à l'esprit la fois dernière. Et vous aviez dit que votre présence au stade du 28 septembre, ce 28 septembre 2009, c'était dans le but d'accomplir un devoir de sorte. Vous confirmez cela? Oui, monsieur le procureur. Bien. Ensuite, lors de vos explications, vous avez dit, entre autres, que c'était pour encadrer la manifestation. Vous le confirmez aussi? Encadrer? Non, ça c'est pas moi. Je disais bien sûr que... Vous voulez que je vous explique? Allez-y. Ok. J'ai dit que les hommes, quand il y a manifestation, la patrouille là, quand la manifestation, ils restent derrière, comme c'était des grands banditismes, pour encadrer derrière, pour ne pas que les bandits passent outre mesure, profitant ces manifestations pour s'occuper ou s'accaparer des biens détruits. Pas moi-même. Vos hommes? Mes hommes, quand les manifestants, ils sont derrière toujours. D'accord. Alors, lors des manifestations et de toutes ces réunions publiques-là, il y a un schéma classique qui voudrait qu'il y ait dans un premier temps des ordres initiaux qui sont donnés par l'autorité civile ou militaire selon les cas, et des ordres opérationnels qui consistent à planifier les hommes. Les vôtres appartiennent à quelle catégorie? Bon, quand tu parles des ordres initiaux ou des ordres opérationnels, ça c'est par rapport à la manifestation proprement dite. Mais ce que moi je faisais nuit et jour, et tous les jours, comme tout le monde le savait à l'époque, c'était pour protéger les personnes et leurs biens. Et quand il y a manifestation, il y a dû donner des instructions. Vous restez derrière. Quand vous restez derrière, si les gens cherchent à profiter pour s'encaparer ou s'attaquer à la boutique des gens, il faut intervenir. D'accord. Sauf que, pour cette manifestation du 28 septembre-là, le maintien d'ordre était confié à deux corps, la police et la gendarmerie. Vous, vous avez dit ici publiquement que votre service était détaché de ce corps de gendarmerie-là parce que vous étiez à l'époque secrétaire d'État chargé de la lutte contre le banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique alors votre présence, vous, et la présence des hommes qui étaient sous votre commandement au stade du 28 septembre alors que on y avait planifié des policiers et gendarmes pour l'encadrement de la manifestation qui avait été projetée? Merci, monsieur le procureur. Je disais que en ce qui me concerne, je pense que j'ai largement expliqué. Oui, ce qui vous me concerne, avez largement expliqué. Oui. Excusez-moi. Oui, je reviens. Vous avez l'obligation ici. Vous avez un statut. Vous êtes un accusé. Tout à fait. Les questions ont un sens. C'est de nous vers vous, pas l'inverse. D'accord? Vous avez le choix entre répondre à la question qui vous est posée et de vous abstenir. C'est les deux choix que vous avez. Je suis là-dessus, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Je dis que... Répondez à ma question. Je dis que... Ma présence, je l'ai expliqué que je partais chez moi. Et c'était pour vraiment accomplir un devoir civique, un devoir humain, m'adresser aux gens comme je l'avais toujours fait d'ailleurs tantôt, m'adresser au public pour leur dire ceci et cela. Et vous m'avez vu, ou vous avez vu comment les gens m'ont accueilli. Je pense que ce n'était pas un mal à soi, à mon entendement. C'est maintenant aujourd'hui que je comprends que tout cela a été un problème. Alors, par rapport à mes hommes, je pense que c'est la patrouille de ce tartel-là, ce jour-là, qui s'est retrouvée devant le stade, parce que le public était venu maintenant vers le stade. Mais celui qui est mieux placé à répondre à cette question, je pense que c'est le colonel Farima qui était chargé à l'époque de la patrouille. La question vous est posée, elle n'est pas causée au colonel Farima. C'est à vous que moi je pose des questions, parce que c'est vous qui êtes renvoyé devant la juridiction du jugement. Colonel Farimba, dont vous parlez,
poule des juges d'instruction ne l'a pas renvoyé devant cette composition criminelle. Donc, les questions que je vous pose, je veux des réponses venant de vous. Si vous n'entendez pas donner une réponse, ce sera votre droit le plus absolu. Je n'insisterai pas outre mesure. Il suffira juste pour vous de dire à ce tribunal que vous n'entendez pas donner une réponse à la question que je vous pose. Mais ne me renvoyez pas à quelqu'un d'autre qui a été reçu par le pool des juges d'instruction. Je poursuis. Donc, parmi les ordres opérationnels qui avaient été donnés, vos hommes ne figuraient pas là, n'est-ce pas? Ni vous, ni vos hommes ne faisaient partie du plan opérationnel qui avait été élaboré pour l'encadrement de la manifestation. J'ai dit oui, monsieur le procureur, et j'ai donné l'explication. J'ai donné l'explication déjà, j'ai dit que cet ordre opérationnel par rapport au maintien d'ordre, non, mais on ne faisait pas partie. Mais par rapport à notre mission régalienne de tous les jours, et ils étaient là pour, comme j'avais toujours dit, la manifestation, vous restez derrière pour voir si quelqu'un ne va pas s'attaquer à la boutique d'autrui, comme ça a été toujours le cas. Parfait. Alors, vous étiez commandant au moment des faits, n'est-ce pas? Excusez mon ignorance. Quel est le grade qui vient après celui de commandant? Le lieutenant-colonel. Voilà. Vous êtes passé à ce grade-là, lieutenant-colonel, à quel moment? Fin 2009. Fin 2009, je pense. Fin 2009. Ouais. Je peux considérer au mois de décembre 2009. Je ne me rappelle pas, mais généralement, c'est en novembre que les militaires passent en grade. D'accord. Donc, ça peut être vers novembre, comme ça. Ensuite, lieutenant-colonel, vous avez dit? Après lieutenant-colonel, c'est le grade de colonel qui arrive. Oui. Vous êtes passé à ce grade à quel moment? Je pense qu'il y a un avancement global de 2010, quand le Ségouba a passé la main à Chouge. Le Ségouba a passé la main à Alpha Condé. Je pense qu'en ce moment-là, il y a un avancement global qui nous a fait passer aussi. Très bien. En fin 2009, quand vous passiez du grade de commandant au grade de lieutenant-colonel, ça se fait par décret, n'est-ce pas? Par décret? Oui, je pose la question. Si c'est par décret? Oui, je pense que oui. Voilà. À l'époque, qui a signé le décret qui vous a fait passer de commandant au grade de lieutenant-colonel? Et ben Sekouba, général Sekouba Konaté. Sekouba, général Sekouba Konaté. Oui. Très bien. En 2010, avant que M. Sekouba Konaté nous passe le témoin à M. Alpha Condé, c'est en ce moment que vous avez été promu colonel. Tout à fait. C'est par le même Sekouba Konaté que vous êtes passé par à ce grade-là. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est vous qui avez extirpé M. Sidia Touré des griffes de ceux-là qui le ruaient de coups? Je n'ai pas compris. Je demande si vous confirmez que c'est bien vous qui avait tiré M. Sidia Touré qu'on rouait de coups aux griffes de ceux-là qui lui donnaient ces coups-là. Vous le confirmez? Je ne comprends pas la fin de votre question. Que c'est moi qui ai tiré M. Sidia Touré d'où? J'ai cru entendre que on donnait des coups à M. Sidia Touré au moment où vous êtes venu le tirer de là. Ou bien je n'ai pas bien saisi? Non. C'est Jean-Marie Doré. Très bien. Donc vous confirmez quand même que c'est vous qui avez tiré M. Jean-Marie Doré des griffes de ceux-là qui voulaient vraiment en découdre avec lui? Oui, lui-même l'a dit toujours, et c'est vrai. Voilà. Alors,
Non loin de là, se trouvait M. Sidya Touré dans une position très inconfortable aussi, qui a indiqué lors de son audition qu'il a vu des militaires, si mes souvenirs sont bons, violer une femme. Il s'est même écrié, est-ce possible? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aviez pas vu la scène là, vous? Je n'avais pas vu Sidya Touré. Je n'avais pas vu Sidya Touré au stade. En réalité, j'ai dit que... L'esplanade. Non, l'esplanade. C'est à l'esplanade que vous avez tiré, M. Jean-Marie Doré. Non, c'est pas... Pas l'esplanade, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire dans c'est bien à l'intérieur. Dans la grande cour. D'accord. Quand je sortais avec... J'étais avec... juste à 5 mètres de la porte. Oui. Et l'autre là était de l'autre côté. Oui. Quand vous faites face... À votre droite. Mm-hmm. C'est pas à l'esplanade. À l'esplanade, M. le procureur, je ne me suis pas arrêté. Vous pouvez confirmer, vous pouvez demander ceux qui sont encore vivants qui étaient dans ma voiture. À part de M. Selouda Lendialo, Jean-Marie Doré, vous n'avez vu aucun blessé. À part de ceux que vous avez transportés dans votre voiture oui. pour la clinique Ambroise Paré, vous n'avez vu aucun blessé. Aucun blessé, je l'aurais pris aussi. Je n'ai vu aucun blessé à part ceci. Mais j'ai entendu que le CD a été blessé, quelqu'un me l'a dit, vers la porte de Chauche. Et j'ai dit, embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital, s'il vous plaît. Il me l'a dit dans les frigos. Il dit, mettez dans votre voiture, envoyez à l'hôpital. Et j'ai dit que je partais à Mouraï par moi. Vous n'avez pas aussi vu des femmes en détresse qui cherchaient à se sauver, qui couraient dans tous les sens pour échapper à ceux qui voulaient soit les violer, soit administrer des coups. Vous n'avez pas vu des scènes de ce genre, des femmes qui couraient à tous sens. Monsieur le procureur, non. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Qui étaient à moitié nus, d'autres nus complètement, parce que les images sont encore vivantes, c'est sur YouTube. Vous aimez beaucoup rappeler que quand vous êtes arrivé, il y a eu une scène de liesse suite à votre arrivée. Vous dites souvent de visionner YouTube, que c'est là-bas. Donc ces images-là aussi sont sur YouTube. Des femmes qui couraient à tous sens. Les unes à moitié nues, les autres complètement nues, ou les habits en lambeaux. Vous n'avez pas vu ça? C'est horrible, je n'ai jamais vu, sinon je l'aurais vraiment ramassé ces femmes-là, parce que les femmes sont très chères. Pourtant, les scènes se sont passées tant à l'intérieur du stade qu'à l'esplanade. Vous avez pris les uns, enfin, vous avez pris ces leaders-là à l'intérieur du stade, vous avez dit. N'est-ce pas? Vous avez fait le tour, vous êtes venu traverser toute l'esplanade pour les envoyer à la clinique Ambroise Paré. Vous n'avez pas vu cette scène? Monsieur le procureur, je pense que j'ai été clair. Si je voyais ces femmes-là, je jure sous mon serment d'officier, j'aurais arrêté ma voiture, m'occuper de ces femmes-là. À quelle heure approximative vous avez quitté le stade? Okay. Quelle heure approximative? Bon, heures, comme je l'ai dit hier heures, tantôt... 11h, 15h. Oui, comme je l'ai dit hier tantôt, franchement, je n'ai pas chronométré, mais c'était dans l'après-midi. Et je n'ai pas pris de temps, malheureusement, au stade. Quand j'ai vu Dalin, je me suis retenu automatiquement. Dans l'après-midi? Dans l'après-midi, mais je ne peux pas dire exactement l'heure. Il ne faut pas mentir. Okay. Pourtant, les scènes dont on décrit ont eu lieu le matin et ça a continué. Et est-ce que vous avez trouvé le portail du stade grandement ouvert quand vous partiez pour récupérer ces leaders politiques-là? Oui, c'est par ce portail que les gens sont rentrés. Donc, naturellement, c'était ouvert.
C'était ouvert. Ouais. Vous avez eu accès à la pelouse du stade? Pas du tout. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai rencontré celui qui sortait déjà vers la porte. Et il peut l'avouer ici. Il marchait, hein? Il n'était pas encore totalement blessé. Il n'était pas totalement blessé? Oui, je pense que oui. Parce que moi, je n'avais pas vu. Quand je l'ai vu, on parlait. Lui, moi, on a parlé. Oui. S'il y a des images, certainement. Lui, il sortait, vous rentriez. Oui, oui. Moi, je sortais et je rentrais. On s'est croisés. Quand oui. J'ai croisé, on s'est même arrêté un peu. Il m'a expliqué la scène. Et c'est ainsi que je l'ai dit, mon frère. J'ai donné ma version des faits. Après, la on a continué. Il vous a expliqué là. Oui, il m'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit en Philippe? Oui, il m'a dit, jeune frère, voici comment les Douba là nous ont fait. Il dit, mais vous avez dit que l'armée là n'est pas sous contrôle. Et c'est vrai. Ça, c'était un mot qu'on s'est dit là-bas, lui et moi. Après, passé instantanément. Hein, il dit, on y va. Et les autres, il dit, d'autres sont sortis. Il m'a dit, d'autres sont sortis. Et entre-temps, nous sommes là. On regarde. À côté, Jean-Marie Doré, c'est la seule scène que j'ai assistée et j'étais obligé. Et c'est lui-même qui m'a dit, voilà. J'ai dit, bon, grand frère, attendez-moi, ne bouge pas. Je suis parti pour récupérer Jean-Marie Doré. Mais à quelques mètres, le bonhomme m'a braqué l'arme. Si je fais un pas, il va me tirer. Mais mon garde-corps s'est interposé, comme Jean-Marie l'a dit. Et puis, automatiquement, j'ai pris Jean-Marie Doré. Avant mon retour encore, il y avait ce toy-boy là. Lui aussi, il était déjà en accouché avec d'autres groupes. Et pour le témoigner aussi. D'accord. De la conversation, la brève conversation que vous avez eue avec M. Sellou Dalen Diallo, il nous a dit que à l'intérieur du stade, qu'il y avait des morts, qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des femmes. Il y avait quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du stade, il ne vous a pas dit? Lui et moi, c'est le seul mot qu'on s'est échangé. Il peut là, c'est un monsieur. C'est un Walid, il peut, quand il vient, le jour qu'il viendra, il va vous l'avouer. Il ne m'a jamais dit cela. Jamais. Je sais qu'il me regarde quelque part au bout du monde. D'accord. Et M. Jean-Marie Doré, vous l'avez tiré des griffes de ces gens-là, vous avez eu une conversation avec lui? Non, lui, il était déjà blessé, hein. Il ne parlait pas, il était vraiment blessé. Ah, il était blessé, grièvement. Il se tordait de douleur, façon, là, et tout. Il était blessé. Aucun des leaders que vous avez sauvés ne vous a dit qu'il y avait des vies en danger à l'intérieur du stade, à l'esplanade du stade. Personne ne vous a dit qu'il y avait des personnes qui étaient mortes par balles ou des femmes qui étaient violées. Personne ne vous l'a dit. Pratiquement, de là-bas jusqu'à ce que j'ai déposé à l'hôpital, ils sont tous encore vivants. Heureusement, c'est un qui est aujourd'hui de l'autre côté, dans le pays de songe. Mais personne ne me l'a dit ça, là-bas, sur ce trajet-là. Et mon commandant, il y a des blessés là-bas ou il y a des morts? Non, pratiquement non. Je pense que Baouri à Conakry et tant d'autres, il peut vraiment vous le dire ici. D'accord. À part du... Vous avez été nommé au poste de secrétaire d'État par un décret, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Vous avez été nommé secrétaire d'État par décret du président d'alors? Tout à fait. C'est le seul décret que vous avez, que M. Moussa Dadis Camara a signé vous concernant. Il n'a jamais signé un décret pour vous faire passer d'un grade à un autre. Oui, j'étais d'abord secrétaire d'État. Après l'arrivée de le président Wadi ici, donc ils ont parlé de la lutte contre la drogue et tout, et l'engagement à l'époque de la communauté internationale qui était une obligation. Et il a dit, le jeune qui lutte contre la drogue, là, il est lourd. On m'a présenté, c'était à la Villa Sili, hein, on l'appelle comme ça. Et il a décidé de me donner un grade spécial. C'est en ce moment, si j'étais capitaine comme eux, c'est en ce moment que le grade de commandant est venu. Ça, c'est en quelle année? On est en 2009. Au début, là, quand l'autre est venu, quand on voit des venus, quoi. Ça, c'est avant septembre. Loin avant septembre. Avant septembre. Ouais. D'accord. Donc, quand le président Lansana a compté décédé et que le CNDD s'empare du pouvoir, vous étiez, votre grade était? J'étais lieutenant. Lieutenant. D'accord. En fin 2009, ce n'est pas M. Moussa Dadis Camara qui vous a fait passer du grade
de lieutenant-colonel, de commandant à lieutenant-colonel. Non, j'ai dit que c'était Sékouba Konaté, général. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu connaissance de la présence de camions militaires qui étaient stationnés au camp Samori Touré, dans lesquels on retrouvait des corps sans vie? Vous n'aviez pas reçu cette information-là? Pas de tout, monsieur le président, pas de tout. Procureur. Hmm? Je suis procureur, ah, le président est en monsieur, face de... Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas reçu cette information-là? Pas du tout, monsieur le procureur. Ni au camp Samori, ni au camp Alpha Yaya? Non. Au camp Samori, je vous ai dit, le camp Samori, le dispensaire est déconnecté du camp par un mur séparatif. Mm-hmm. Donc j'étais avec les leaders là-bas et ils savent que j'ai pris un peu de temps avec eux pour leur remonter le moral. Et je n'avais pas appris cette information, franchement. Aviez-vous été informé peu après les événements du 28 septembre que on a décidé de passer une couche de peinture au stade du même nom? Est-ce que vous aviez été informé que peu après les événements, on est allé peindre le stade? Après 13 ans, c'est un avocat qui l'a dit hier. Et franchement, il tombait du nu parce que je n'avais aucune connaissance par rapport à ça, franchement. Je pose la question parce que la dénomination de votre service renferme les expressions de services spéciaux. Et à mon entendement, quand on parle des services spéciaux, c'est bien les services de renseignement. À mon entendement, si je me trompe, vous allez me rectifier. Et que dans cette litanie-là, vous étiez à même d'avoir pas mal de renseignements que vous filtriez probablement en direction des autorités de la place. Est-ce le cas? C'est une question. C'est une question. Ah. Est-ce que les services spéciaux sont des services de renseignement? Et à ce titre, si oui, alors quand l'objectif de ces renseignements-là, c'est de les recueillir en direction de l'autorité de nomination ou pas? Bon, monsieur le président, oui. Monsieur le procureur, oui. Ce sont des services de renseignement à son genre. Mais je voulais simplement vous dire que ce service a été créé pour un objectif bien donné. Le trafic international de drogue, plaque tournante, le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, la Guinée était ainsi. Donc ce service a été créé par le capitaine Dadis en concert avec l'ambassade des États-Unis à l'époque, qui a donné les informations, donc les recommandations. Donc, et pour créer un service comme ça, il faut mettre à l'intérieur qui doit faire quoi. C'est ainsi que les trois éléments la composaient, grand banditisme, comme il y avait vraiment des types partout. Et la lutte contre la drogue, ça c'était juste la partie opérationnelle par rapport à la drogue. Et les services spéciaux, comme ailleurs dans le monde, pour s'occuper uniquement des renseignements dans ce sens-là. Et c'est vrai. Le sens de la drogue et la drogue est la grande panne recherche à ce niveau-là. Sinon, le pays est doté des services de renseignement intérieur et des services de renseignement extérieur. Donc, la dénomination de votre service ne concernait pas les renseignements généraux? Ne couvre pas les renseignements généraux et encore moins le renseignement extérieur ou intérieur. C'est spécifique pour la drogue, le grand banditisme et le crime organisé, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, quand vous... J'ai cru avoir lu dans votre interrogatoire devant les juges de... Vous êtes agronome de formation. Vous avez décliné que vous étiez agronome de formation, c'est ça? Que j'étais? Agronome de formation. Absolument, oui. Agronome, n'est-ce pas? D'accord. Alors, comment vous êtes venu à la gendarmerie?
D'abord, on a été recruté, comme tout le monde, recruté dans l'armée des Gruyères. Et après la formation commune de base, et de 2 ans à peu près, nous avons fait un concours au sein de tous ces soldats pour la gendarmerie nationale, concours national. Et c'est à l'issue du concours national que je me suis retrouvé à la gendarmerie nationale. Je peux savoir c'est en quelle année? Et recrutement, c'est en 2013. 93 plutôt. 93. Oui. La formation commune de base, c'était en 93, vous avez dit? C'est en 93. Oui, c'était en 93. Vous avez fait la même formation commune de base que monsieur Moussa Dadis Camara? Non, ça c'est 90. Il est plus ancien que vous. Hmm? Il est plus ancien que vous. Oui, ils sont plus anciens que nous. D'accord. Monsieur le Président, j'en ai fini pour le moment. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Juste des questions de précision pour Monsieur Camara. Monsieur le Président, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste avant de poser mes questions à Monsieur Camara, de lui faire lecture des déclarations aussi bien de certaines parties civiles que de certains témoins. Qu'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Colonel Moussa Tchegbouro Camara. Présent. Pour une question de précision, est-ce que vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes un chef militaire? Affirmatif. Autrement dit, vous faisiez partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité au moment des faits. Ça ne sous-entend pas comme ça, mais quand on est colonel, on est chef militaire. Oui, ma question est de savoir, est-ce que vous, en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme, en votre qualité de chef militaire, est-ce que vous faisiez alors partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité de l'armée régulière? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes chef militaire, vous avez des hommes à votre disposition, mais vous ne faites pas partie de la chaîne de commandement. Je pense que les militaires peuvent le répondre, mais moi je te dis, on peut être chef militaire et ne pas être dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement militaire, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai précisé hier. C'est quoi la chaîne de commandement militaire? Je ne peux pas l'étaler ici parce que ça c'est l'armée. Mais je vous précise que hier j'ai dit que mes éléments étaient demandés. On demande. J'ai demandé à ce que l'effectif que j'ai besoin à la gendarmerie, à la police, qu'on mette ça à ma disposition. Et ces effectifs-là sont gérés au point de vue salaire, qu'on appelle SORD chez nous, salaire chez les policiers, par les unités respectives. Et ils sont leur dotation. Monsieur Camara, suivez-moi. S'il vous plaît. Vous compreniez. Non, je ne suis pas satisfait, monsieur le président. Alors, allez-y. Je dis bien que mes éléments étaient en détachement. Dès lors que ce mot détachement intervient dans le circuit, c'est que je ne fais plus partie de la chaîne de commandement. Pour la preuve est que ces éléments-là, leur solde, leur ravitaillement, leur gestion et tout, je ne parle pas opérationnel, tout le reste-là appartient à leur, même leur retraite et recrutement, tout le reste appartient à leur unité d'origine. Les policiers prennent leur salaire chez eux, les gendarmes prennent leur salaire chez eux, et c'est simplement ce que nous lit, c'est la mission qui nous a été assignée. Ça veut dire simplement qu'on peut être chef militaire et ne pas être dans le commandement, dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, c'est autre chose. C'est quoi la chaîne de commandement alors?
Je ne peux pas le détailler ici parce que je n'ai pas eu l'ordre de ma hiérarchie pour le détailler ici. Parce que je suis maintenant... Vous n'avez pas reçu l'ordre de votre hiérarchie? Absolument. C'est qui votre hiérarchie? Mais les chefs militaires, à commencer par le ministre de la Défense, le chef d'état-major, au commandement, tout ça, ce sont la hiérarchie. Ici, s'il vous plaît. J'ai dit, Monsieur le représentant du ministère public, Monsieur Camara. Oui. La chaîne de commandement, définissez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, la chaîne de commandement? La chaîne de commandement, c'est, Monsieur le Président, c'est vous qui m'ordonnez. Sinon, je n'ai pas non plus, d'accord, l'autorisation de le dire. La chaîne de commandement, comme vous le dites, c'est une chaîne. C'est la hiérarchisation dans le commandement. Quand je prends le ministre de la Défense nationale, en bas de lui, quand vous regardez un peu dans l'organigramme, il y a le chef d'état-major général des armées. Et ensuite, il y a, à côté de l'autre côté, il y a le haut commandement de la gendarmerie nationale et il y a les états-majors particuliers, armées de terre, air et mer. Voilà la chaîne de commandement. Et c'est cette structure qui commence et continue, hein, comme une pyramide jusqu'à la base, de nouveau de section, groupe et autres là. Au sommet de la chaîne de commandement. Du sommet à la base. Au sommet. Ouais. Qui est au sommet de cette chaîne de commandement? C'est le ministre de la Défense nationale. Pour moi. Pour vous. Oui. Bon. Au sommet Pardon? Au sommet du commandement opérationnel. Non, j'ai dit chaîne de commandement. Oui, la chaîne de commandement, c'est le ministre de la Défense nationale. Et quelle place occupe le commandant en chef des forces armées par rapport à la chaîne de commandement? Quelle place il occupe? Je n'en sais pas du tout. Parce que pour moi, en tant que militaire, peu de formation que j'ai suivi, le commandant en chef des forces armées, ça se dit partout. Et ça se dit partout, pourquoi? Parce que c'est le plafond. Mais ça, c'est pas pour les opérations. Le commandant en chef des forces armées, comme le président Alpha Condé qui vient de quitter, commandant en chef des forces armées, on le disait. Mais quand on le dit, c'est juste une question de formalité, pour moi. Pourtant, ma question dans est notre... Non, s'il vous plaît, ne la distinguez pas là où je n'ai pas distingué. Moi, non, non. Je parle chaîne de commandement. C'est ce que je dis. Nom de commandement dans l'organigramme militaire, je veux dire, de commandement militaire, ça commence par le ministre de la Défense nationale. Ok, on va continuer. Donc, je disais, Monsieur le Président, de bien vouloir permettre au ministère public de faire lecture de certains passages des déclarations de certains accusés, de certaines parties civiles, des témoins, avant de poser les questions à M. Camara. Pour une question de consolidation, je prends en ce qui concerne les accusés, le colonel Claude Puvy. Il déclare, les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Tchekburo et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Est-ce que cela est exact? Non, monsieur le procureur, heureusement qu'il est là. Je prends, monsieur le président, les déclarations de monsieur Sidia Touré. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduite par le ministre Tchekburo. Est-ce que cette déclaration est exacte? J'ai dit oui et non. Oui, parce qu'on s'est croisés là-bas. Quand on m'a dit qu'ils sont là-bas, je suis parti vers eux, on s'est croisés. Et le nom? Suivez-moi, monsieur le procureur. C'est important, hein? C'est une précision que vous cherchez. C'est très important. C'est très important. Ah, mais oui. Donc, et quand il dit nous avons été bloqués, quelqu'un que tu as bloqué, quand c'est comme ça, comme tout le monde l'attend, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Mais si on a fait des dialogues, jusqu'à ce qu'on a abouti à un consensus, je pense qu'il n'y aura pas de contrainte à la demeure. Le non, il est où alors? Vous dites oui et non. Parce que moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est oui et qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est oui, c'est qu'on s'est croisé effectivement là où il a dit on s'est croisé là-bas. Et le nom, c'est parce que quand il dit on a été bloqué, c'est un peu. Ça sonne mal par rapport à ce qu'on s'est dit ce jour-là dans, dans,
dans l'ambiance, les humains vous sont... Vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés. Vous vous êtes vus. Je suis parti à leur rencontre. Vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, on a dialogué. Vous vous êtes vus. Absolument. Vous avez discuté. On a discuté. Et on je a arrêté... continue, Monsieur le Président. Parce qu'il faut, ce qu'il faut arrêter. Monsieur Sellou Dalein Diallo déclare ceci. Comme les manifestants arrivaient en masse au stade, nous avons décidé d'aller à leur rencontre. Arrivés au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Tchèkbouro avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. C'est exact ou c'est faux? Tu sais, vous savez, merci, c'est difficile. Voilà, on va s'accorder sur quelque chose. Vous ouais. savez, depuis le début de ouais. cette audience, chacun ici de nous fait violence sur soi-même pour vous voir les gens. Oui, parce oui, c'est on ça. Est, s'il vous plaît, ouais. dans cette salle, on se veut respectueux, tout respectable, de sorte que on se vous voit. Donc faites violence sur vous-même oui. pour ne pas nous tutoyer. Absolument. Hein? Cela est compris. Voilà, donc le ça, maître me l'a dit déjà. Le maître me l'a dit déjà. Hein? Et je fais un effort dans ce sens. C'est pourquoi je suis revenu rapidement. Donc, je vous dis que... Je vous reprends. Je vous reprends. J'ai bien compris la question. Ah, d'accord. Je réponds. Allez-y, alors. Je vous dis, quand c'est M. Dalein... Le président Dalein qui le dit aujourd'hui, ou le président Sidia, c'est bon. Mais moi, je dis, comme il a dit, il est venu à notre rencontre, on s'est rencontrés. C'est moi qui suis parti à leur rencontre, parce qu'ils étaient arrêtés là-bas. Ils ne venaient pas. Je suis parti le trouver là-bas. Ce n'était même pas devant le portail de Gamal, c'était derrière. J'ai précisé l'endroit, juste après le petit carrefour. Donc c'est là-bas, on s'est croisés, je suis descendu de ma voiture. Si d'autres m'ont suivi, et je lui dis oui, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés. Et ils nous ont suivis après, ils nous ont trouvés là-bas. C'est ainsi que M. Sellou Dalein Diallo... Vous avez dit tout ça là. Oui. La question juste était d'accord. de savoir, okay. est-ce que les déclarations de M. Sellou Dalein Diallo sont exactes? J'ai juste apporté la petite précision que ce n'était pas devant le portail. Vous les avez interdits de passer, vous les avez pas bloqués. De tout, non. Comment bloquer? Si on Mais les a bloqués, a non, il faut dire qu'on est parti faire un dialogue. Et ce dialogue-là était suivi. Je vais continuer, Monsieur le Président, parce que déjà, votre réponse, moi, j'en suis satisfait. D'accord, merci. Plus loin. Alors que nous étions bloqués là, Tchèkbouro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Est-ce que cela a eu lieu? Pas de tout, je pense que d'autres témoins diront le contraire. Référez-vous simplement. Pardon? Je dis pas de tout. Quand je suis venu pour la première fois, je ne me suis plus retourné au stade. Donc cela, cette déclaration est inexacte. C'est contradictoire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi que c'est contradictoire? Il dit que je suis venu avec des... Camara, oui, s'il vous plaît, est-ce que cette déclaration est exacte? C'est pas ce de tout. Veut savoir. Pas quand je ne suis pas venu deux fois. Donc c'est faux. Si c'est pas de tout, c'est le contraire. Pardon? Si je dis pas de tout, ça veut dire que ça n'existe non, pas. Non, si ce n'est pas exact, ça veut dire que c'est faux. Non, je ne dis il pas. A, il mais... a répondu. Je continue, Monsieur le Président. C'est vous qui savez. Sur la demande de Tchèkbouro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au présidium. C'est M. Sellou Dalein Diallo qui déclare ceci. Est-ce que cette déclaration aussi, elle est vraie ou fausse? Vraie ou fausse? Non, je dis que cette déclaration, vraie ou fausse? Cette déclaration n'a pas une réalité. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Vous me laissez parler, j'ai ma manière de parler. Laissez-moi, s'il vous plaît. Une je question vais fermée. Monsieur Camara. Vrai ou faux? Oui. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Merci. Je vous ai toujours dit, il y a des questions, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires. Vous pouvez répondre par oui ou par non, par vrai. Par faux, vous pouvez répondre comme ça pour qu'on puisse évoluer. C'est des renforts qui viennent de l'autre côté. Je continue, Monsieur le Président. Parce que vous venez de dire tout de suite que ce n'est pas exact.
Ça, vous pouvez répondre comme ça. Okay. Pour nous, si vous ne voulez pas dire employeur le terme faux, merci, vous pouvez dire ce n'est pas exact. Ok, merci, monsieur le procureur. Monsieur le président. Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Merci. Souffrez d'écouter, s'il vous plaît, maître. Colonel Moussa Tchegourou, cette fois-ci, je vais vous faire lecture des déclarations de M. Lucien Ifa. À mi-chemin. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut indiquer les pages, s'il vous plaît? Lucien Ifa, page 2. À mi-chemin, toujours au niveau de Donka, nous avons été bloqués par un escadron de gendarmes avec à sa tête colonel Tchegboro. C'est vrai ou c'est faux? Exact, je ne commande pas les escadrons. Il ressort de toutes ces déclarations le dénominateur commun, c'est que vous, colonel Tchegboro, vous étiez là au moment de ces faits. C'est le dénominateur commun de toutes ces déclarations. Monsieur le Président, peut-être une dernière question. Le fil des débats peut-être suscitera dans d'autres. Vous voulez nous dire que vous, ce jour, donc vous êtes arrivé à tout hasard, au mauvais moment et au mauvais endroit, c'est ce que vous voulez nous faire croire? C'est une question? Ah, mais bien sûr, c'est une question, monsieur. D'abord, je vous dis le fait d'arriver ce jour. C'était un fait du hasard? Ou bien, à vous entendre, c'est ce que vous voulez nous faire croire, que vous, le 28 septembre 2009, vous êtes arrivé au stade par un pur fait du hasard. Et que tout ça là, vous avez pris tout pour coordonner tout ça. Mais c'est la question, je veux savoir. Monsieur le procureur, vous avez besoin de réponses, non? Oui, mais bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais vous dire sincèrement, que d'abord, les trois leaders qui ne sont pas les moindres dans ce pays, leurs déclarations sont contradictoires alors qu'ils étaient au même lieu. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, quand vous dites que si je suis tombé par hasard, j'ai bien schématisé mon trajet. Et j'ai dit ce trajet où je partais et qu'est-ce que je partais faire. C'est à mon domicile à côté. Et j'ai bien dit, quand je me suis rencontré avec... quand je suis venu vers les manifestants, les manifestants, de là-bas, comment j'ai décidé pour aller vers les leaders, je vous ai dit. Mais contradictoirement, les trois ont parlé des choses contradictoires, eux-mêmes. Peut-être la dernière, en tout cas pour le moment, en ce qui me concerne, vous concerne également. Absolument. Monsieur Camara, est-ce que vous avez des armes de service? Est-ce que vous avez des armes de service? Vous? Des armes de service? Oui. Qu'est-ce que vous appelez armes de service? Parce c'est que... quoi une arme de service? Je ne suis pas militaire. Non. Vous n'avez pas d'armes? S'il vous plaît, monsieur le procureur. Personnel, non. Si vous n'avez pas compris la question, dites que vous n'avez pas compris. Mais vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Je comprends le schéma. Monsieur... Colonel Moussa Tchegourou, vous n'avez pas d'armes? Armes de service, comme vous le dites. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ce que vous pourtant, vous attendez. C'est du français facile, ça. Simple. Est-ce que vous avez une ou des armes de service? Non, on ne parle pas comme ça. Monsieur le procureur, ça s'appelle la dotation. Est-ce que si vous avez compris, alors répondez. Voilà, si vous avez compris, mais répondez à ma question. Oui, quelle soit pas dotation ou usage personnel, ça s'appelle la dotation. Vous en avez? Non, un commandant est déjà on peut pas avoir une dotation. Vous n'avez pas d'armes? Un pistolet, d'accord, mais ça aussi, ça fait longtemps depuis qu'on dote tous les militaires en pistolet. Est-ce que Moussa Tchegboro Camara a une arme? C'est ma question. Elle est claire, je pense. De dotation. De dotation? Non. Vous n'en avez pas? Je n'en ai pas pour le moment. Alors, quel type d'arme vous avez alors? Si ce n'est pas une arme de dotation, quelle arme? Je ne suis pas doté individuellement d'une arme pour le moment. En dehors de la dotation, est-ce que vous avez une arme
ou des armes? Non. Moussa Tchegbouro, vous n'avez pas... Excusez-moi. Colonel Moussa Tchegbouro Camara, vous n'avez pas d'armes? Je n'ai pas d'armes de dotation. Monsieur Camara, armes de dotation, armes de service, ou je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que vous détenez une arme? Non, monsieur le président. Pas doté d'une arme. Que ces déclarations nous sont soient données acte. Tout ce qu'il est en train de dire est en train d'être consigné, monsieur le procureur. Parce que c'est extrêmement grave. Pour terminer, monsieur le président, colonel Moussa Tchegbouro, à qui on peut imputer ces crimes odieux commis ce jour du 28 septembre 2009, selon vous? Selon moi, je ne sais pas. Non, selon moi. Je ne sais pas. Je pense que c'est à la disposition de la Cour. Nous sommes là pour ça, pour déterminer qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Et croyez-moi, ce sera fait. Ça me fera plaisir. J'en ai fini pour le moment avec le colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Sous réserve de ce que... Merci, monsieur le président. Nous allons donc continuer. Colonel Moussa Tchegbouro Camara. Présent. Vous étiez au stade et vous aviez dit que vous avez pu sauver monsieur Jean-Marie Doré et l'âge d'Alain qui était blessé. Parfait, monsieur le procureur. En dehors des deux, vous n'avez vu aucun autre blessé ni un autre manifestant tué? Non, monsieur le procureur. Alors, à quel moment précis vous avez appris qu'il y a eu des cas de mort et de blessés au stade? À quel moment précis? C'était le soir. Je l'ai dit autrefois. Oui, c'était le soir. Vers quelle heure? Vers la nuit, quand on partait maintenant, quand on quittait la chose. Quand on quittait chez le capitaine Dadis pour aller chercher les leaders, c'est en ce moment qu'on en parlait dans la voiture, qu'il y a eu des morts effectivement. Mais le combien, on ne me l'a pas dit. Donc, de l'après-midi jusqu'au soir, vous n'avez rien appris? Moi, je suis venu chez le capitaine Dadis vers le soir. D'accord. C'est ça. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris? Monsieur le procureur, j'étais choqué, en réalité. Comme vous connaissez, j'étais choqué. Et jusqu'à présent, je suis choqué. Même si c'était un seul mort, c'est vraiment choquant. Surtout les conditions dans lesquelles l'intéressé aurait trouvé la mort. Bien. Est-ce que vous n'avez pas appris ou bien vous n'avez pas entrepris des actes concrets pour d'abord flétrir ce qui s'est passé et éventuellement prendre des dispositions? Parce qu'à cette époque-là, comme vous l'avez si bien dit, vous étiez chargé du grand banditisme aussi. Oui, monsieur le procureur, j'étais chargé de grand banditisme, mais il faut comprendre aussi que, je ne sais pas si c'est le même jour ou c'est le lendemain, et quand le capitaine Dadis a lancé son appel, je pense que pratiquement, et la remise, appel à remise, pour moi, et tout ça était là. J'ai continué ma mission quotidienne, et parce que je me disais que la communauté internationale est saisie, de facto, le procureur général serait déjà saisi. Donc, vous n'avez entrepris aucune enquête pour essayer au moins de situer les responsabilités? Non, à mon entendement, non. Connaissant déjà que le procureur général s'en est déjà saisi. Bien. Et vos hommes étaient sur le terrain ce jour? Oui ou non? Oui. Ils étaient armés? J'ai dit non, monsieur le procureur. En faisant les patrouilles, ils n'apportent aucune arme? En tout cas, selon mes consignes, non. Pas possible, si c'est la journée. Même des armes conventionnelles, ils n'apportent rien avec eux? Les armes conventionnelles, par rapport... Bon, puisqu'ils sortent pour faire des patrouilles,
Est-ce qu'ils peuvent aller comme ça, là, bras ballants, ils n'ont rien, ils vont pour faire des patrouilles? C'est des consignes données, la patrouille nocturne, d'accord, mais la patrouille d'huile, non, pas possible. Ils vont quatre par pick-up, deux, et voilà, faut tourner. C'est une patrouille de dissuasion des bandits et tout. La nuit, on sort vraiment prêt parce qu'on a été toujours victime. Parce qu'il est mis au compte de vos hommes deux cas de mort au carrefour Bellevue et deux cas de mort au niveau de l'esplanade du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, comme je l'ai dit hier, monsieur le procureur, je disais que c'est maintenant que j'apprends cela. Et même dans l'ordre de renvoi, les cas de mort qui sont là-bas, c'est sur ma tête. Que deux, ils ont tué deux devant moi, ce qui est impossible. Et que moi-même, j'aurais tiré sur quelqu'un ou je ne sais pas, un militant. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est la partie-là, hormis les autres les infractions ne m'ont pas effrayé, comme les deux parties-là, parce que ça m'a irrité dans la tête. Bien. Et puisque vous étiez au stade, là, se sont presque déroulés devant vous. Et vous n'avez pas dressé de rapport pour expliquer au moins dedans ce qui s'est réellement passé à l'adresse de votre hiérarchie? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas fait de rapport de ce que vous avez constaté au stade? Non, je n'ai pas fait de rapport. Pratiquement, non. Quand j'ai fait le compte-rendu, comme vous appelez, nous, l'information en voie hiérarchique, nous, on appelle compte-rendu. Quand j'ai donné le compte-rendu ce soir et que j'ai été instruit à le reprendre les gens pour un hôpital approprié, et je pense que pour moi, j'avais accompli une mission. Donc, vous n'avez fait aucun rapport. Vous n'avez fait aucun rapport écrit? Un rapport par rapport à cet événement, non. Parce que c'était instantané. Mon rôle là ne méritait pas un rapport comme c'était une mission planifiée. Bien. En votre qualité de secrétaire d'État chargé du grand banditisme, des services spéciaux, de l'anti-drogue, à qui vous rendez compte de vos opérations, de vos activités? Monsieur le procureur, merci. Je disais hier que lorsque nous faisons des informations et que ces informations sont planifiées, la première personne donc nous constatons est la commission d'une infraction, c'était le procureur territorialement compétent. À l'époque, je pense que les parquets d'alors peuvent le confirmer. Donc, souvent, si je viens au conseil des ministres, rarement d'ailleurs, c'est pour avec un rapport, vous venez dire. Alors, on a fait ça, en fait, on a besoin de tels moyens. C'est quand j'ai besoin de petits moyens, je vais là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas bien de budget. Par rapport au procureur, je crois que ça, c'est sur le plan judiciaire. N'est-ce pas? Oui. Et sur le plan administratif, parce que vous avez ces deux casquettes-là en tant qu'OPJ. Vous rendez compte à quelqu'un de ce que vous faites? C'est ce que j'ai dit. Je relevais d'une structure gouvernementale. Lorsque une telle chose arrive et que j'ai besoin de rendre compte, je passe directement au conseil des ministres, je fais mon compte rendu et par voie de rapport. Et je pense que le rapport là remonte par voie hiérarchique. C'est comme ça que j'évoluais, moi. Vous rendez compte à qui? Vous ne voulez pas dire ça? Non, mais monsieur, pour que vous je relevez de quelqu'un? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Que vous relevez d'un supérieur? Si, mais... Vous avez quelqu'un à qui vous rendiez compte? Monsieur, pour que je suis d'accord avec vous. Hein. On est d'accord? Oui. Sur le plan administratif, là, vous le savez, vous êtes OPJ. Absolument. Voilà, les OPJ nous le disent souvent. Quand ils font une activité, ils rendent compte au procureur, ça c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, ils ont une hiérarchie. Oui, là, mais vous le savez, oui, vous mais voulez pas ça, nous dire ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, je à qui vous rendez compte sur je le plan administratif? Simplement vous dire, je voulais simplement vous dire, si vous se comprenez sur la question, moi j'étais déjà au sommet. J'avais des services. Quand ils constatent les choses, je suis informé. Non, ma question est simple. Oui. Voilà. Et moi, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question elle est simple. Hein. Sur le plan administratif, vous rendez compte à qui? Au si gouvernement. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes libre. Au gouvernement, parce que j'étais membre du gouvernement. Ah, au gouvernement? Oui. Tout court? Oui. Donc vous attendez souvent, même si quelque chose se passe au cours de la semaine, vous attendez le conseil pour faire le compte rendu? Non, si quelque chose se passe au cours de la semaine, si c'est au cours de la semaine, quelque chose se passe, je suis informé. Il y a l'arrivée d'un bateau ou bien il y a une grande saisie de cocaïne et autres là. Alors, les rapports me parviennent. Ce n'est pas moi qui fais en fait le rapport. Il y a le chef de mission, il y a le chargé de dossier. Quand ils font la mission, ils envoient d'abord, quand le procureur est saisi, pendant que le dossier continue de façon procédurale,
qui montre l'information là, je peux rendre compte soit à Sekouba ou au Premier ministre ou bien à Dadis, c'est le premier que je rencontre. Bien, votre service n'a jamais obtenu de dotation en armes, jamais. Votre service n'a jamais été doté d'armes. J'ai dit oui, c'est quoi, j'ai dit que la patrie d'une était armée. On peut pas se procurer de l'arme si on n'est pas armé. D'accord. La Et patrie... à quelle occasion vous utilisiez ces armes-là? Un ortu, hein? À quelle occasion vous utilisiez ces armes? Bon, comme vous l'avez vu une fois, mais à chaque fois d'ailleurs à l'époque là, dans les attaques des stations auto là, alors les gens venaient pour intervenir. Et c'est quoi autrefois j'ai dit que j'ai perdu des éléments ou d'autres ont perdu les oreilles. Et où les attaques à main armée dans les domiciles des gens, on venait pour vraiment réagir. Donc les gens faisaient des missions, mais moi je sortais pas la nuit dans tous les cas, comme vous le savez, mais les hommes sortaient comme ils étaient armés. Et puis la coordination radio était là et tout, et ça marchait. Bien, vous n'avez jamais appris que des corps ont été retirés à l'hôpital Donka, Ignace Digne? Des corps? Vous n'avez jamais appris ça? Je n'ai pas compris, monsieur. Que des corps ont été retirés au niveau de l'hôpital Ignace Digne. Que les corps ont été retirés? Oui. Au des corps, oui, qui étaient au niveau des morgues. Pas du tout. Vous n'avez jamais appris ça? Pas du tout. Le corps a été retiré à Donka? Non. Vous n'avez jamais Même appris... dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est... Vous avez parlé de... Parlant de la nuit du 27, quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire, quelle fréquence. Est-ce que, en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je dis pas du tout. Comment? Je dis non. Très bien. Alors. Parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Camara, Mamadou Ba Camara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadou Ba Camara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, que au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous êtes un accusé. N'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. Mais si je connais pas la réponse. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien.
Monsieur Claude Puivy a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec Monsieur Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec Monsieur Sori Kondé, le général Mamadouba Camara et Monsieur Claude Puivy? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Puivy déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc, comme il est là, certainement la confrontation en sera. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc, vous niez ça. Vous niez. Vous appelez vous nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu, mais ils n'ont pas respecté, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Puivy? Le nom, là, c'était ça, non? Comment? Le nom, c'est ça. Et avec le général Mamadouba Camara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas lié. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations. Non, suivez-moi. Pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît. Mais laissez-moi écoutez, te répondre. Je vous pose des questions, vous répondez. Mais s'il vous plaît. Ça, c'est pas une question. C'est une monsieur Camara, maître. Monsieur Camara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc, répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Puivy et le feu général Mamadouba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, monsieur le président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro. N'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins quatre pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que je veux dire, je ne vais pas confirmer quelque chose. Il a dit que c'est qui sortait par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. On est le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des choses, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Ok. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant
à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, ne jouez pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas une question, n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si, c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre pendant au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. Oui, monsieur le président, oui. En fait, monsieur le président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé pour nous voir la voiture. Je n'ai rien entendu. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. C'est mon garde-corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde-corps, je ne sais pas, de Sidiya, comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est Gadro qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose, jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ce Loudalin au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Ça me l'air que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais ça me l'air que c'est le garde-corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis seul, par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul, oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture, tu coupes pour rentrer, et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner, mais ton garde-corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand vous dites que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous, c'est des hommes, ça, ce n'est pas des hommes. Ça, c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et à la vidéo aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldats. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps et vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde-corps? C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a trois déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a trois. Monsieur Camara, vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde-corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant. D'autres questions? Oui, monsieur le président.
En fin de compte, mon colonel, vous étiez combien, vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, et au niveau de la cour du stade, vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire, je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je courais. Comment? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller vers m'aider à accomplir cette mission. Même le garde corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture, si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde corps de Sidi comme Baoui le dit, parce qu'il était blessé, mais il était vraiment conscient, il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr et certain, je reconnais que je suis venu là avec mon garde corps parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai même pas besoin de le compter car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde corps derrière. Voilà. Et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il dit, je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Reprenez. J'ai dit, 5 témoins affirment pour les uns que vous étiez présent, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une troisième catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président. Parti civil, monsieur le président. À cette phase, on va accepter de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues plusieurs fois. S'il vous plaît. Peut-être, monsieur le président, une question peut être posée, mais la manière de la reposer peut constituer un concours. Merci bien, monsieur le président. Mon colonel, vous étiez membre du gouvernement et un soldat. Est-ce que après les événements du 28, au soir du 28 et les jours qui ont suivi, il y a une cellule de crise qui a été créée par le gouvernement pour gérer les conséquences des événements du stade du 28 septembre. Je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Parce que je n'ai pas été. On ne m'a pas demandé de participer à une telle chose. Donc, je n'ai aucune idée. Donc, ceux qui sont mieux placés pourront répondre à ça. Au niveau de l'autorité militaire, vous n'avez pas été informé de la création d'une crise, ni au niveau du gouvernement, vous n'avez pas été aussi au courant qu'une crise, une cellule de crise a été créée. Je pense que j'ai précisé ça, monsieur le maître, s'il vous plaît. J'avais dit que je venais rarement, si ce n'est pas un problème concernant mon département, au niveau du conseil des ministres. Si vous avez une information déjà, je n'ai pas été participant. Bon, d'accord. Oui, mais est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de mort? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous étiez informé
qu'il y a eu plusieurs cas de viol. Cela m'a été notifié devant comment ils appellent ça, le pôle de juge d'instruction. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de blessés qui étaient alités dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville? Oui, par la radio, on a entendu effectivement qu'il y a eu des blessés. Je pense que les blessés étaient au compte de l'État là-bas pour leur traitement. Est-ce que vous vous êtes rendu au chevet de ces blessés une fois avec le président d'Addis ou bien un autre membre du gouvernement? Oui, je pense que tous les membres du gouvernement est responsable de ce pays ce jour-là, sont partis là-bas, et j'y étais. D'accord. Merci bien, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc, non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent sur les lieux, l'OPJ est dessaisi automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre. C'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Sati, l'autre côté, il faut aller. Je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-offres, sous-officier, je veux dire, hein, lors d'une patrouille, ce n'est pas possible. Alors, je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenu à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Malheureusement. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque le service spécial, les éléments-là, hein, passent une information, ou fait une infiltration, ou un otage, ou fait une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille, c'est autre. La patrouille, c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent, ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, classonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes, et souvent à l'époque comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez
les gens de Kaloum ici n'ont pas vu ces patrouilles avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36, à ce moment-là et autres. Donc ça, c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposé d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Eh, maître. Toi-même, tu confirmes. Vous-même, vous confirmez. Je m'excuse. Oui. Allez-y. Mais c'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit rien. Oui, mais Charlie, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que Oui, sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est deux pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste quatre éléments. Quatre éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait six. Ça, c'est, si vous avez deux, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça, c'est un bataillon, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon. Lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins. Une ou deux pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins deux pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... Deux pick-up au moins. Si j'ai trouvé deux pick-up là-bas. Au moins. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, Farid m'a me dit, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Farima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça c'est servitude, ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre, au stade du même nom? Allô? Bon, voilà. Oui? Oui. Non, monsieur le procureur, d'accord, je réponds. Monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important, ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde, là, oui ou non? Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc, ce n'était pas insatisfaisant. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème?
qu'il y a dans ce pays. Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et mon quand colonel, je suis rentré au camp. Mon colonel. Oui. Le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? Je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro coût administrateur, c'est-à-dire responsable administratif, c'est secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très, très, très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsable administratif, c'est au bureau qu'ils agissent ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant là, même en veste comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte-rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si non. Vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non, donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous on avez reçu une mission. On ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Ouais. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, répondant à l'une des questions de monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits,
je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même si on est diplômé. C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? D'accord. Pas OPJ à cette fonction. Je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, et patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité. Vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce que, vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis au PSG ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens plus là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. Non, d'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu courir en revenant au stade sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir, parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci, mon ami. Merci, Maître Pouto. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver les gens que j'ai pu sauver. Vous dites, vous n'avez pas agi comme les autres. Relativement au risque, vous dites, vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là? Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà, quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu comme officier, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison, parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, que c'est une bonne question et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade parce que votre devoir de soldat vous a signé à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris.
vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dalis, accompagné de ses premiers Komara et Koutoubou Sano, lorsque ils ont été amenés à la clinique Pasteur, à ses frères, lui, alors, je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire. Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, les choses ont été négociées, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahima Sori Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là, vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin je vous de... Écoute. Vous avez suivi? Oui. Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, j'étais que c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle... Ah, tu as changé encore la question. Avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça soit se poser. D'accord. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y évertuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail est-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade deux fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Si le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il n'y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut être sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Et comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontré. Croisé, parce qu'on venait de sens différents. C'est quoi on dit on s'est croisé? Si on s'est rencontré, c'est la même chose. On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi, je ne suis pas là pour définir les mots. Je laisse dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon, justement, de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation? C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Mais ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dit que les hommes étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui mélangez tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Si je m'entendais à une question par rapport au stade, ça ferme tout ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire, n'engage que vous, hein, je n'en sais rien du tout. D'accord. Ça va être ma dernière question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. Parce que c'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Là, ça, je te dis.
Mais la suite que tu que vous demandez, je ne sais pas. Non, je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord, ils ont été salués officiellement à la face du monde devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Oui. Vous étiez un grand responsable, très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important service spécial, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé. Et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir est-ce à une que question est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Trois questions ou quatre questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, mais s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation s'il de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité? C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. Je comprends nier. Pour moi, à mon entendement en tant que communautaire, donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oublie pas que je suis un militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Okay. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par deux ou trois fois qu'après le stade, vous êtes reparti à la maison en passant par la CMIS pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Question? Oui. Je pense que vous n'avez pas compris. Et où vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà des actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez le fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris.
Mais ça vous voulez que le vous matin. Donne des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, j'ai déjà, dit, j'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon colonel, je voudrais savoir, le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade du 28 septembre, avec quel type d'arme? Le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade, avec quel type d'arme? Les armes qui étaient avec ce groupe, c'était quel type? Est-ce que je n'étais pas avec un groupe de gendarmes au stade? Vous n'étiez pas avec un groupe de gendarmes? Permettez-moi peut-être que vous allez vous rappeler, puisque ça fait longtemps. Je vais vous lire une déclaration de M. Baouri qui dit ceci. Au stade, il y avait des militaires, notamment des bérets rouges et d'autres corps qui n'avaient pas de tenues spécifiques, dont des éléments hétéroclites. Ceux qui n'étaient pas en tenue réglementaire avaient des armes blanches. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchegro. C'est M. Baouri qui dit ça. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, mon colonel? Heureusement que le grand frère Baouri et le président Baouri n'est pas mort, que Dieu nous en garde d'ailleurs, et il va venir nous donner la distinction, parce que moi je n'en sais rien. Quand vous avez posé, maître, vous étiez avec un groupe, ça c'est déjà comme un groupe était sous mon commandement. Donc ceux qui étaient là-bas, là, ne savaient pas qui était doté ou pas. Ok. Mon colonel, lorsque vous êtes entré au stade, selon vous, pour sauver les leaders, je veux savoir, est-ce que vous êtes resté dans la grande cour ou bien vous êtes arrivé à l'intérieur, là où se tenait le meeting? J'ai répondu à la question, maître, s'il vous plaît. Pourtant, la précision me semble être importante. Je ne vous oblige pas, mais je souhaiterais vraiment savoir, est-ce que vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? J'ai déjà répondu à la question à depuis hier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle effectivement, comme vous dites que vous avez déjà répondu à la question, selon moi, selon mes notes, hier vous avez dit que vous n'êtes pas arrivé à l'intérieur du stade, que vous êtes resté dans la cour. C'est ce que j'ai noté. Mais là, j'ai la déclaration de M. Sidi Touré qui dit le contraire. Je le cite. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu les gens tomber sur la pelouse et sur la tribune d'en face sans comprendre ce qui s'est passé. En regardant à ma gauche du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'homme. Deux responsables, qui sont Tchegro et Toumba, se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Ça, c'est à l'intérieur du stade. C'est de l'intérieur du stade dont parle M. Sidi Touré. Qu'en dites-vous, mon colonel? Qu'en dites-vous? J'ai été clair. Et quand ce qu'il dit là, c'est très contradictoire. Rencontrer M. Choy, le premier à être rencontré, et que je sois encore à l'intérieur du stade pour dire où sont les leaders. Donc, moi, comme il est vivant, le grand frère Sidia, président Sidia, certainement il viendra apporter les précisions. Quant à moi, je te dis que je n'étais pas. Comment Touma et moi, on peut marcher ensemble pour demander les leaders? Je vous dis que Touma et moi, c'était les chiens de faïence. Ça, il faut le connaître. Donc, parce qu'on était diamétralement opposés par rapport aux missions, par rapport aux attitudes. Donc, heureusement qu'il est là. Et Sidia aussi, et je m'excuse de M. Sidia aussi, et pourra venir apporter les précisions. Mon colonel, avez-vous vu M. Marcel Guilavogui à la clinique Ambroise? Est-ce que vous l'avez vu à cette clinique? Non, monsieur, maître. Vous ne l'avez pas vu. Mon colonel, qui a menacé à la clinique Ambroise Paris de lancer la grenade? Qui a fait cette menace? J'ai déjà répondu à la question là, il y a plusieurs fois, maître. Mon colonel,
colonel, sur cette question également, je vais vous donner la déclaration de M. Jean-Marie Doré, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. J'ai vu Tchegro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lucène Fall, Sidi Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Je précise que Toumba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques. Arrivé en temps, Guilavogui Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit. Qui a mis ce chien sur le siège arrière? Mettez-le dans le coffre. Ainsi dit, ainsi fait. Je me suis retrouvé avec les pneus crevés et les outils à l'arrière. Quelques temps après, nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paris. Tchegro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins. Aussitôt, Marcel Guilavogui a dit ceci. Tchegro, tu es un traître. Si un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je te brûle la cervelle. Qu'en dites-vous, mon colonel? Malheureusement, il n'est plus là. Que la terre soit légère. Mais vous, comme vous lisez en tant que procédurier, c'est un grand avocat, vous savez déjà qu'il y a toute une contradiction dans l'intérêt même de sa déclaration. Comment se fait-il? Il parle même de l'Andrea. L'Andrea, tu connais l'Andrea, la différence entre l'Andrea et Ambroise Paré. Moi, il dit que de mes pas de stade, quand j'ai pu embarquer ceux que j'ai pu embarquer, je suis parti avec eux directement à la clinique Paré. Le seul arrêt que j'ai fait, c'était avec les policiers qui venaient au sens contraire, que je les ai dit que vraiment ça ne va pas là-bas. Et puis moi, j'ai continué à discuter. On n'a pas fait deux minutes. J'ai continué parce que je voyais les gens qui avaient le sang. Alors, et puis, c'est pendant que je débarquais que les pick-up de Touma et ces hommes-là sont venus. Je n'ai pas vu Marcel. Parce qu'il n'y a rien de me dire à Marcel. Je ne l'ai pas vu au stade. À la clinique Pasteur. Et ce que Jean-Marie Doré dit là, c'est très compliqué à déchiffrer. Quoi. Malheureusement, il n'est plus là. Donc, colonel, excusez-moi du mot. Si M. Marcel vous traite de traître, quelle consigne ou quel accord peut-être entre vous, quelle consigne avez-vous reçu ensemble que vous n'avez pas totalement respecté? Je n'ai pas compris. Il vous traite de traître. À mon sens, il faut qu'on viole une consigne reçue ou un accord. Que s'est-il passé pour qu'il vous traite ainsi? Monsieur Marcel, oui? C'est pas lui qui m'a dit traître. Pas du tout. Monsieur Jean-Marie Doré n'a fait qu'il rappeler les propos Paré. De Monsieur Marcel. Oui, Ambroise. Mais j'ai entendu ce mot. C'est Ambroise Paré, c'est pas Monsieur Marcel, parce que je n'ai pas vu là-bas. S'il était là-bas, moi je ne l'ai pas vu. Parce que la réalité, chacun pour soi, deux pour tous, nous sommes au pénal. Donc la responsabilité est individuelle, quoi. Moi je ne l'ai pas vu là-bas. Okay. Mon colonel, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre, un groupe de jeunes s'était regroupé à la maison des jeunes de Dixine Port pour entreprendre une grève de faim pour protester contre les violences survenues au stade du 28 septembre. Êtes-vous allé avec deux pick-up de gendarmes rencontrer ce groupe de jeunes à la maison des jeunes de Dixine Port? À la maison des jeunes de Dixine Port? Oui. Oui. Le 28 septembre, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Alors, ce groupe de jeunes dit que lorsque vous êtes arrivé, vous avez traîné ces membres dans la boue en les tirant les pieds. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Le chef de quartier de Dixine Port, M. Ali Bangoura Barissouman, de Dixine, pourra vraiment vous donner des précisions par rapport à ça. Le quartier où je suis logé, même si tu es fou, il ne faut même pas penser à soi-même en tant que militaire, mais pensez un peu à ta femme et tes enfants. Je n'avais qu'un seul enfant, à l'époque, je le précise. Mais il y avait des frères, collégiens, lycéens qui vivaient avec moi. Pensez à ces gens-là, à tes proches, le quartier où tu vis. Moi, je suis très d'accord avec les jeunes de Dixine. Hein. Vous pouvez demander de 2009 jusqu'à maintenant là. Même si je rentre tout de suite là-bas, c'est vraiment le patriarche, quoi. Comment je vais dans un lieu
où les enfants sont regroupés, ils disent qu'ils sont en grève de faim, au lieu de les amadouer, le dorloter, comme j'ai dit, j'ai commencé à le traiter, à le traîner dans la boue. C'est bon. Tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment de le dire. Et heureusement que nous sommes dans une, devant un tribunal qui sera vraiment apprécié et doit prendre les bonnes décisions en fonction des preuves et en fonction des vérités. Mon colonel, ces jeunes disent aussi que vous étiez venu avec du pain et du cornebœuf et que vous leur avez demandé, vous leur avez fait une proposition. Soit vous coupez la grève de faim en mangeant ce pain, ou je vous donne 100 coups aux fesses. Avez-vous dit cela? Non, et que finalement, n'ayant pas le choix, ils ont mangé. Pas de tout, cela ne me semble pas du tout. Vous n'avez pas dit ça? Pas de tout, maître. Vous n'êtes pas venu avec du pain? Quoi? Avec du pain, vous n'êtes pas venu avec du pain avec vous? Non, quand ils sont en grève de faim, même de l'argent, j'ai donné. De l'argent, je les ai donné. Et tout a été fini, là. Les gens, ils ont compris, le chef de quartier a parlé, chacun a pris une orientation donnée. Je pense que c'était l'ambiance qui était là-bas ce jour-là. S'il y a une presse qui était sur le terrain, je pense que l'un peut apporter. Tu envoies les gens, tu vas vers les gens pour leur dire, écoutez, voilà, voilà, voilà. Et c'est le chef de quartier qui me l'a dit, hein. Le chef de quartier de Dixine, je pense que c'est Ali Bangoura Ousuma. Bon, je ne sais pas trop. C'est lui qui m'a informé qu'il y avait cette situation. Et on est parti ensemble avec lui. C'est en ce moment, il faut traîner les gens dans la boue, il faut leur dire, vous le prenez ou je vous donne des coups de pied. Je ne suis pas trop violent, hein. Si vous voyez même crier comme ça, c'est pas parce que c'est ma façon de parler naturellement, mais je ne suis pas violent de tout, de tout. De tout. Mon colonel, ces jeunes disent également que vous les avez amenés au camp Al-Fayaya où ils ont été torturés la nuit dans vos locaux et que pendant les scènes de torture, ils entendaient les cris dans d'autres chambres. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient, qui étaient aussi en train d'être torturées. Qu'en dites-vous? Ça, ce n'est pas l'œuvre du colonel Tchebro, certainement. C'est un autre Tchebro, ça. Mais ce n'est pas chez moi. Quand on dit qu'un frère, c'est vague. Non, mais ils disent que c'est chez vous. Ils sont montés aux escaliers en haut, c'est là-bas. Ils auraient été torturés. Et dans mon bureau. Mon colonel, mais non, je suis précisé, très précis. Maître, c'est important. Dans vos locaux, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Je n'ai aucune idée parce que c'est un fait qui ne s'est jamais produit chez moi. Pas possible. Vous n'avez aucune idée. Mon colonel, ces jeunes disent également qu'après avoir subi les tortures, vous les avez mis dans un conteneur où ils ont trouvé deux autres personnes. Dans un conteneur où ils ont passé toute la nuit. Dans un conteneur. Est-ce que vous vous rappelez, oui, dans un conteneur qui se trouvait près de votre bureau. Bravo. Mon bureau d'abord, il était en haut. Oui, oui, mais le conteneur était en bas, en bas. Le conteneur était en bas. Ah, vous les avez mis dans ces conteneurs. Ça peut arriver, parce qu'en Guinée, tout est possible. Hein. Et c'est vrai que le conteneur était suspendu quelque part. Mais monsieur, je vous dis, maître, c'est grave, hein, c'est, toutes ces accusations fortuites-là, c'est vraiment grave. Mais je vous dis et je vous rassure déjà que cela est impossible. Mieux, jamais un conteneur, ce jour-là, au camp de Fayaya là-bas, il n'y avait pas, même pas de conteneur autour de mon bureau. Demandez n'importe qui. Il y avait un violon, effectivement. Et mes violons, même ici, les procureurs qui faisaient souvent les visites là, Et le procureur est là, il sait comment je traite mais s'il faut supposer ou bien présumer bandit ou autre, c'est même climatisé, violent climatisé, c'est chez moi seulement qu'on trouvait. Donc conteneur, mettre les hommes dedans comme je ne suis pas un humain, pour quel intérêt? Et puis moi je vais profiter pour vous dire un petit mot si vous voulez l'accepter. D'accord. Mon colonel, ouais. C'est jeune. Précise que le matin, c'est M. Koutoubou Sano, qui était à l'époque secrétaire général des affaires religieuses, et le colonel Chérif Diaby, je crois qu'il était ministre de la Santé à l'époque, qui est même dans votre groupe, il est aussi accusé, que c'est les deux qui sont venus les libérer le matin pour les conduire à l'hôpital d'Onka. C'est une précision de taille. Il s'agit des personnes qui sont bel et bien vivantes. Qu'en dites-vous? Heureusement, ils sont là. M. Diaby est là. Demandez M. Diaby au temps de CNDD, si on se voyait au moins deux fois par deux mois, demandez-le. Parce qu'il était quasiment de l'autre côté et moi j'étais au camp, demandez-le. Et encore mieux, ce que vous venez de dire, ce n'est que les allégations fortuites sur ma tête. Et Dieu est grand, j'ai M. en face, certainement il va essayer de démontrer tout ça là, pièce par pièce, pour trouver la vérité qu'il faut. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment sous toute réserve. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Kiboro, j'ai parcouru le procès verbal d'audition du parti civil de Monsieur Jean-Marie Doré. Il est dit ceci. C'est le lieu de rendre hommage au chef d'état-major de la gendarmerie, l'actuel général Baldé et son adjoint CC Balamou, pour tout ce qu'ils ont fait pour sauver les leaders politiques et sauvegarder l'image de notre pays. Sans eux, mes collègues et moi serions tués le même jour. Qu'en dites-vous? Merci, madame, ou maître, je ne sais pas. Vous êtes libre. D'accord. Merci, madame, je préfère le mot là, j'aime ça. Donc, madame, c'est. Mais d'abord, feu Jean-Marie Doré, il confond tout, hein. Il confondait tout certainement. Monsieur Cécé Balamou n'a jamais été son adjoint, ça c'est un. Deuxièmement, ce qu'il dit, c'est mieux, c'est bon, c'est lui qui a parlé. Vous remerciez quelqu'un. Et il a dit d'avoir fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais je vous dis, et je réitère ici, le risque que j'ai pris, si d'autres le prenaient, je pense que beaucoup allaient trouver vraiment la vie sauve. Un. Deuxièmement, je pense que ce remerciement, je ne suis pas contre ça. C'est bon de remercier. Il se peut qu'il a joué un rôle pour lui. Hein? Même téléphoniquement, on peut jouer un rôle. Mais sur le terrain, et si dans le cadre de sauver ce monsieur, comme il a dit qu'il était avec moi dans ma voiture à Mourad Paris, s'il était dans la voiture, c'était moi qui l'ai effectivement pris et je l'ai envoyé à l'hôpital. Le rôle que les autres ont joué, je ne sais pas. Il se peut qu'ils ont joué après moi. D'accord. Merci, monsieur le colonel. Monsieur mon colonel. Je poursuis. J'ai également parcouru le procès verbal d'audition du parti civil de monsieur Amadou Ouriba. Il est dit ceci. Monsieur Kegboro nous a donné un coup de main pour porter l'âge cellulaire vers son véhicule. Je précise qu'à notre sortie du stade, avant qu'on ne s'embarque dans le véhicule du commandant Kegboro, j'ai aperçu une dame couchée qui essayait de se protéger contre les militaires qui l'entouraient et qui tentaient de la violer. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Monsieur Ba? Oui, monsieur Ba. Monsieur Amadou Ouri Ba. Bon, comme j'ai dit, j'ai vu des gens dans ma voiture que je ne connaissais pas. Lui, je ne le connais pas du tout. Mais ce qu'il dit, c'est lui qui a vu. Et dans ce passage, il n'a dit nulle part. J'ai dit au Kouna Kemourou, s'il me disait, je nomme, je l'ai réagi. Mais vous étiez ensemble, mon colonel. Oui, mais on peut être ensemble. Je suis là avec lui. Et chaque fois, je te regarde là. Moi, je te regarde, hein, quand je te vois, je ne vois personne ici. Et c'est que lui qui est à côté, il voit autre chose. Moi, je suis concentré sur vous. Et j'étais au volant. Ok, merci, monsieur le président. C'était les deux questions de précision. Monsieur le Président, mon colonel, ouais. Tout à l'heure, vous avez écouté les différentes questions. On est en train de dire de l'autre côté que vous niez les faits. Vous êtes inscrit dans la logique de la dénégation. À ce stade du procès, est-ce qu'il faut se permettre d'avancer de tels propos ou est-ce qu'il faut apporter les preuves de l'accusation? À mon sens, je pense que, au lieu de dire que je nie, c'est de me confondre automatiquement avec les preuves de l'accusation. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Mais des thèmes comme ça, c'est ici, on peut le dire, c'est bon. J'apprécie et j'accepte. L'essentiel, nous sommes en droit de droit. À part ces déclarations, ces dépositions de témoins et ces auditions de partis civils, qu'est-ce qu'on vous a présenté? Rien de tout. Rien de tout. Je tombe du nu, c'est ici, je suis informé de tout ça. Cassette et autres là, c'est ici. Et j'ai demandé dans ma déposition que je voulais être confondu à toutes ces preuves ou aux éléments qui pouvaient vraiment porter un préjugé sur ma personne. Lorsqu'on vous demande, par exemple, à qui vous avez rendu compte ou à qui vous devez rendre compte des questions liées à la responsabilité de commandement, est-ce que vous êtes là pour ça?
Pas du tout. Comme le président de répondre à tout, sinon, franchement, je tombe de nu. Même mon échelon, comment j'ai gradé, tout, c'est compliqué. Mais c'est à la base. L'essentiel, c'est la vérité qui va jaillir. Mon colonel, se trouver au stade du 28 septembre, à cette date, est-ce que cela constitue un crime? Pas de tout, si ce n'est pas en Guinée, sinon j'étais venu pour sauver et j'ai pu faire ce que je pouvais faire. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal parce qu'il y avait des pick-up garés aux alentours du stade ou à quelque endroit du stade? Est-ce que vous avez été renvoyé ici pour ça? Pas du tout, pas du tout. Il me semble que même quand on sort tout à l'heure, on peut trouver des pick-up de ce service jusqu'à présent, du service chargé des services spéciaux et de la lutte contre la drogue. Ces véhicules sont garés ici. Ça veut dire que c'est un crime? Pas du tout, je pense pas. Je ne pensais pas, mais bon. En tout cas, ça se dit ici. Est-ce que vous êtes devant ce tribunal pour répondre aux questions liées aux renseignements, les renseignements généraux, les spécificités des renseignements, avoir des détails, des définitions concernant les renseignements, les méthodes de renseignement? Est-ce que vous êtes devant ce tribunal pour ça? Non, maître. On vous dit que des personnes ont affirmé qu'ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués par les policiers et les gendarmes avec qui vous étiez. Mais est-ce que, encore une fois, vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour avoir bloqué X ou Y? Non, mais je ne l'ai pas fait et je ne suis pas là pour ça. Est-ce qu'on vous a présenté une seule fois un de ceux-là qui déclare avoir été torturé? Une seule fois? C'est ici, j'ai tout appris. Ici, tout appris. Il y a plus de 10 ans, plus de 10 ans après l'information, après que le procureur ait requis l'ouverture de l'information, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne qui a été torturée? Non, maître, c'est ici, j'ai tout appris. D'ailleurs, on est en train d'indiquer que ce qui est contradictoire, que M. Abdoulaye Chérif Diaby, qui était venu intervenir pour sortir ces personnes qu'on était en train de torturer, ce monsieur lui-même est renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour des faits de complicité et de torture. Alors qu'on déclare de l'autre côté que c'est cette personne-là qui est venue sauver d'autres personnes. C'est contradictoire. Est-ce que vous êtes devant ce tribunal pour répondre aux questions liées à la dotation? Est-ce que vous avez une arme de service, entre guillemets, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que vous êtes là pour répondre à ces questions? Pas du tout, maître, mais je suis obligé. On aurait dû vous présenter ici une arme, l'arme que vous avez utilisée ce jour-là. On aurait dû présenter ici les balles retrouvées dans les corps des personnes tuées. Pas moi. On vous dit que, voilà, est-ce que vous portiez une arme, est-ce que vous avez une dotation? Cette question ne se pose pas. On vous demande si des corps, des cadavres avaient été retirés devant vous. Est-ce que vous êtes là pour répondre à ces questions? Pas du tout, c'était pas du tout ma responsabilité. On vous demande également, est-ce que vous avez des antécédents ou des conflits ouverts avec X ou Y, notamment avec Claude Pivy? Est-ce que cela fait partie de l'accusation? Non, maître.
parce que j'ai fait toutes les missions difficiles en forêt avec Claude Pivy. Rentrer seul au stade du 28 septembre ou être accompagné d'un garde du corps, est-ce que cela constitue un crime? Non, maître, car cela est naturel. On parle de participation au maintien d'ordre. Des questions qui ne se posent pas ici. Est-ce que vous avez été renvoyé parce qu'il y a eu des manquements en vous concernant, en ce qui concerne le maintien d'ordre? Qu'est-ce que vous avez précisé que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre? Vous le réitérez? Je réitère, maître, c'est effectif. Je ne suis pas le chargé de maintien d'ordre. Je vous remercie, monsieur le président. Mon colonel, voir deux pick-up à la rentrée principale du stade, c'est un crime? Pas du tout, maître, chef en Guinée. Bien. Venir au secours d'un groupe et laisser d'autres groupes, c'est un crime? Malheureusement, non, maître, chef en Guinée. Alors, de fait que vous n'avez pas pu rencontrer Sidia au niveau juste de l'esplanade est un crime? Pas du tout, maître. Depuis que vous êtes devant ce tribunal, est-ce qu'on vous a envoyé des preuves dont il est dit de parler? Je tombe du nu par rapport à ces accusations et c'est pourquoi je suis là, pour que ces preuves me soient exhibées, afin que le monde entier se rende compte désormais quel rôle que le colonel Diagoué a joué, une manière d'honorer ma famille et blanchir l'image de mes enfants. Merci, monsieur le président. Après les événements du 28 septembre, le parquet général, près la cour d'appel, a ordonné l'ouverture de l'information. Est-ce que notre service, parce qu'on est en train de dire, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait un rapport? Vous avez fait ceci ou cela? Est-ce que notre service, à partir de l'ouverture de l'information ou des réquisitions pour l'ouverture de l'information, est-ce que notre service était compétent pour agir? Bon, ça, c'est dépend de moi. Je pense qu'il y avait d'autres services. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas été saisi bête. Ce que je veux dire, à partir du moment où le procureur général a ordonné l'ouverture de l'information, le dossier est entre les mains de la justice, est-ce que notre service devait agir par la suite? Oui, maître. Est-ce que notre service, était compétent pour pouvoir agir? Je n'ai pas compris la question. Je reformule la question. Est-ce que notre service devait se saisir de cette affaire à partir du moment où la justice est déjà saisie? Ce que j'ai dit tout de suite là, quand le procureur m'a posé la question, j'ai dit que dès lors que le président Dadis a fait un appel et que, à cause de cet appel là, et que la communauté internationale a été saisie, et que dès lors là, que après le lendemain de la chose, dès lors que le procureur général s'en était saisi, ou le procureur territorialement compétent, qui est Duxin, s'en était saisi du dossier, je pense que nous, on ne pouvait rien faire maintenant si on n'était pas saisi par ce procureur. Merci, merci, monsieur le président. Monsieur Moussa Kiegboro Camara. Asseyez-vous pour le moment. Je pense qu'on va suspendre l'audience pour quelques instants.
L'audience est suspendue.